Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ufotinic, la chaîne où vous pouvez suivre en direct et en français les événements spatiaux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un événement historique, voire exceptionnel. Une des missions les plus ambitieuses de l'Agence spatiale européenne avec la mission JUICE qui sera lancée aujourd'hui par une fusée Ariane 5 qui est juste derrière moi, qui décollera du centre spatial guyanais pour lancer JUICE, ça veut dire Jupiter Icy Moons Explorer. C'est-à-dire un vaisseau d'exploration des lunes glacées de Jupiter. C'est un vaisseau spatial interplanétaire qui visitera le système jovien pour étudier trois des lunes de Jupiter, Ganymède, Callisto et Europe. Pourquoi est-ce qu'on va les voir? Parce qu'on pense que ces lunes contiennent d'importantes quantités de masse d'eau liquide sous leur surface, ce qui en fait ou en ferait des environnements potentiellement idéal pour que la vie puisse s'être développée. Le vaisseau spatial atteindra Jupiter en octobre 2029, après un voyage de 8 ans, après 5 assistances gravitationnelles et donc 88 mois de voyage précisément. D'ici septembre 2032, le vaisseau spatial entrera en orbite autour de Ganymède pour sa mission scientifique rapprochée après un périple de plus de 5 milliards de kilomètres, hein, vous le savez, dans l'espace, on n'avance pas en ligne droite, on fait des tournicotis autour du Soleil, on utilise des assistances gravitationnelles pour utiliser le moins de carburant possible. Donc même si on va mettre 5 milliards de kilomètres, ce qui est déjà énorme, quand la sonde sera en orbite autour de Ganymède, elle sera à 1 milliard de kilomètres quand même de la Terre. On en reparlera, cette mission qui battra d'ailleurs plusieurs records, puisqu'on aura notamment, ça sera notamment le premier vaisseau spatial à orbiter autour d'une autre lune que notre lune à nous. Ça sera la première fois qu'on utilisera une assistance gravitationnelle Terre-Lune, ou Lune-Terre, si on prend dans le bon sens, pour économiser du carburant, comme je vous l'ai dit, en direction de Jupiter. Et ce sera également la première sonde à changer d'orbite depuis une autre planète, puisqu'elle sera en orbite autour de Jupiter. Elle ira se mettre en orbite autour de Ganymède, et c'est la première fois qu'une sonde passera d'une orbite d'une autre planète à l'une de ses lunes. Le décollage est prévu à 14h14 UTC plus 2, donc c'est l'heure de Paris. On sera sur la base de lancement ELA-3 du centre spatial guyanais en Guyane française, en France donc, et la destination, une orbite héliocentrique. On va passer tout de suite sur les images de Ariane. Voilà, bam, petite transition. Alors attendez, je vais remettre mon chronomètre, voilà. Voilà, je vous laisse mon chronomètre parce que... donc là, on a la magnifique Ariane 5 devant nous. Et en haut, le chronomètre que vous voyez qu'ils ont mis, c'est le début de leur live. C'est pas le lancement de la fusée. Du coup, je vous laisse mon chrono pour le lancement, pour faire le chronomètre du lancement de la fusée. On va attendre que tout le monde arrive avant de parler précisément de cette mission, de ce qu'elle va faire de la fusée Ariane 5. On va en profiter puisque c'est l'avant-dernier lancement d'Ariane 5. On voit tout en haut de la coiffe d'ailleurs le petit dessin d'une petite Ukrainienne qui a été choisie. Il y a eu un concours de l'ESA en fait pour que les enfants fassent un dessin autour de cette mission. Et c'est ce dessin qui a été choisi et qui a été reproduit sur la coiffe. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors qui a-t-on dans le chat aujourd'hui? Déjà on a les modérateurs de qualité, la police spatiale, Brian Starship, Carcebel, Renix sont parmi nous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là les amis. On a bien sûr les sponsors de qualité, ceux qui financent la chaîne à coût de millions de dollars. On a Christelle Nouvelle, on a Cécile Bourmand, j'espère que je vais louper personne. On a Silex, alors attendez parce que je ne suis pas dans le bon mode de chat, du coup je ne vois pas tous les messages là. Fred, Samuel Dacomo, Laurent STV, du coup ça a rechargé mon chat, donc je ne sais pas si j'ai perdu du monde. Mais en tout cas merci à vous les sponsors d'être là. On a également les viewers de qualité qui sont parmi nous, toujours à nous soutenir. Merci à vous, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers l'espace pour l'algorithme YouTube. Voilà, ça sert à pouvoir faire connaître la chaîne, c'est gratuit, merci à vous. On a qui aujourd'hui? On a Nicolas Lefebvre, on a Zertix, on a Whiskey Wine, 100% RC, Virus, Philippe Berthe est parmi nous, Malalotte, Zouanzine, Yann59, Alexandre Blot, Sébastien Fournet, Muriel Lavigne, Véronique Lavigne, la famille Lavigne au complet, Thomas Pouillet, RBMK4, CCCCP, Daniel Bache18, Patrice Guin est parmi nous, Mathéo également, Les Vieux qui courent, Bernard Caron, Laurent Villeminck, Vlaminck, pardon, Kevin Poulmarche, j'espère que je dis bien Kevin, Jean-François Chosy, Black Shadow 4, Olivier Choreau, j'espère que vous allez bien. La météo, plein de gens parlent de la météo, effectivement pour l'instant elle est verte,
Rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'il y a déjà une tentative de lancement hier qui a été avortée à cause de la météo. J'avoue que la météo a pas l'air folle et de toute façon, pour les 10 prochains jours, la météo est bien pourrie au-dessus de Kourou. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont tenté. S'ils ont tenté, c'est qu'a priori les conditions sont toujours bonnes, mais on l'a vu hier, ça peut être annulé au dernier moment. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours go. Vous savez que c'est juste la fenêtre de tir. Oui, je ne l'ai pas dit, donc c'est 14h14. Pas de possibilité de repousser dans la même journée, puisque c'est une fenêtre de tir instantanée pour des raisons de mécanique orbitale. D'ailleurs, un petit peu de pression quand même. Un petit peu de pression. J'avais posé la question à quelqu'un qui travaillait justement chez Ariane. Ils ont jusqu'à fin. J'ai pas la date exacte, mais ils ont jusqu'à fin avril. Peut-être début mai, fin avril, mais tout début de mai, c'est-à-dire 1, 2, 3, quoi, pour lancer la sonde, pour être, on va dire, dans la bonne configuration pour aller Jupiter. Ensuite, il y a une autre fenêtre de tir qui s'ouvrira au mois d'août. Et si ça dépasse ça, je ne sais pas trop ce qui peut se passer, mais ça serait une très mauvaise nouvelle pour la sonde JUICE, donc qui ne doit pas louper vraiment ses créneaux. Je ne sais pas ce qui se passerait si jamais ça ne lance pas d'ici août. Je ne sais pas quels sont les plans, mais en tout cas, ça serait une mauvaise nouvelle, puisque ça pourrait repousser peut-être de mois, voire d'années, le lancement de JUICE. Donc on croise les doigts pour eux qu'ils aient une fenêtre de tir instantanée. Donc ils vont checker, ils vont tenter à chaque fois, parce qu'ils sont quand même un petit peu sous pression pour des raisons orbitales. Et donc, ils vont tenter, je pense, tous les jours qu'ils ont, dès que possible, pour faire ça. Et il faut que la météo soit nickel juste pendant la fenêtre de tir. Parce que je le rappelle que la fusée passe 5-6 minutes dans l'atmosphère terrestre. Et puis elle se met en 9 minutes en orbite. Donc, ça va très très vite. Il faut juste qu'une toute petite fenêtre pour que la fusée puisse passer correctement. Il y a d'autres contraintes aussi dont on parle jamais. Vous savez qu'il y a de plus en plus de satellites, pardon, en orbite basse. Et du coup, eh bien, il y a aussi, lors des lancements, des petits créneaux de quelques secondes dans lesquels on ne peut pas lancer, tout simplement parce que, il y a ces satellites qui pourraient voilà, poser un problème dans la trajectoire de la fusée. Mais là, on est sur une fenêtre de tir instantanée, donc il n'y a pas ces questions-là. À 14h14 précisément, la fusée doit décoller et il n'y a pas de possibilité de décaler, ne serait-ce que de quelques minutes ou heures. Merci Clément Labérène pour ton don de 4 €. Merci à toi, Joss N, qui vient de lâcher 150 € de don. Alors là, c'est assez exceptionnel, Joss N. Merci à toi, Joss N. Je ne sais pas s'il est dans le chat encore, mais bon, en plus, il a donné les dons avant qu'on commence le live. Merci à toi pour ton soutien. Assez exceptionnel, il faut le dire là. Salut Jean-Pierre Bernard qui vient de nous rejoindre, Maki78, William B93, Cyril également, Xavier Leroy, les sponsors, salut à vous, bienvenue sur le chat. Alors, reparlons un petit peu de cette mission, l'ESA qui a caractérisé cette mission. Je regarde l'Ariane 5 en même temps, comme l'émergence de nouveaux mondes autour de mondes habitables, pardon, l'émergence de mondes habitables autour de géantes gazeuses. Ce qu'on sait aujourd'hui, vous et moi, c'est que la Terre, c'est la seule planète de notre système solaire dont on a la certitude qu'elle abrite la vie. Coucou, vous êtes là sur le chat, tout va bien. Il n'y a pas que nous, il y a plein d'espèces aussi avec nous. En fait, cette mission va chercher à répondre à une question un petit peu fondamentale, c'est est-ce que la vie peut apparaître ailleurs dans notre système solaire? JUICE, qui aura donc à peu près 3-4 missions principales, on va dire 3. Une, d'étudier les lunes glacées de Jupiter, on en a parlé. D'explorer l'environnement complexe de Jupiter. On va essayer de comprendre quelles sont les conditions de formation des planètes et potentiellement d'émergence de la vie. Et un autre grand mission de JUICE, ce sera de faire un modèle en fait qui pourra être utilisé un peu partout dans l'univers. On va essayer de modéliser le système global de Jupiter et on va en faire un archétype pour voir à quoi ressembleraient les géantes gazeuses dans tout l'univers. Alors je le dis souvent, à chaque fois qu'on fait des archétypes, on se trouve, on est un petit peu, on est parfois devant des nouveautés, on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'il y a quelque chose d'autre, mais c'est pas grave, c'est comme ça la science, hein, on commence, on apprend, on évolue et on change ce qu'on savait avant. Donc la présence d'eau, parce qu'on parlait de l'eau, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la présence d'eau dans les lunes de Jupiter, c'est une découverte qui a été faite par les données de Galiléo. C'était une sonde qui a orbité Jupiter, enfin qui a atteint Jupiter en 1995 et qui a mis en évidence la présence d'océans liquides.
gigantesque, hein, sous les croûtes glacées, Détroit Lune glacée, Callisto Europe et Ganymède. Vous connaissez souvent aussi Io. Io, elle est volcanique, elle n'est pas glacée. Il faut savoir que ces lunes-là, les trois dont on parle, Callisto Europe et Ganymède, possèdent ou posséderaient, elles contiennent, on pense qu'elles contiennent beaucoup plus d'eau que la Terre. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. On a l'habitude que la Terre soit nommée la planète bleue, même si moi, j'ai plutôt tendance à l'appeler la planète blanche, parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. On pense que la Terre est remplie d'eau, et ben, il y a des lunes de Jupiter qui ont plus d'eau que sur la Terre. Hop, je vais mettre un petit peu... Voilà. En 2014, il y a Hubble qui a pointé ses télescopes sur Europe. Il a fait une petite découverte, il a découvert qu'il y avait des geysers. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide sous Europe, okay, sous la glace de Europe, et il y a des geysers, c'est-à-dire que l'eau ressort, et donc on pourrait découvrir au niveau de ces geysers des sels ou des composés organiques ou des composés qui pourraient permettre la vie à ces niveaux-là, puisque finalement, ça va ressortir des composés de la profondeur d'Europe, de la profondeur liquide d'Europe, vers la surface qui pourrait nous aider à... Bah, c'est un bon endroit pour fouiller. Petite anecdote, ces geysers... Pardon, je vais pas y arriver. Ces geysers... ces geysers auraient pu être découverts en fait déjà en 1995 par Galiléo. Mais en fait, elles avaient été prises... Les données qui montraient ces geysers avaient été prises pour des anomalies. Donc, elles avaient été écartées. On a souvent des exemples comme ça où on pense que c'est quelque chose et finalement, on pense que c'est une anomalie. Et en fait, c'était quelque chose... on peut se souvenir de la découverte des pulsars qui a été faite comme ça, où on pensait qu'on avait un signal extraterrestre au début, enfin certains pensaient, pas tout le monde, mais qu'on avait un signal extraterrestre avec un signal répétitif, et on a découvert les pulsars comme ça, enfin pas juste comme ça, mais ça a été un des indices pour découvrir les pulsars. Donc, plein de petites anecdotes comme ça dans la science où on pense au début qu'on a affaire à des anomalies ou d'un instrument qui ne marche pas. Et en fait, on n'a juste pas l'explication de ce qui s'est passé. Bah, c'est ce qui s'est passé en 2014, donc c'est assez récent, avec Hubble qui a finalement, on a pu ressortir les données de Galiléo et dire, mais en fait, Galiléo allait très bien. On n'a juste pas réussi à interpréter les données qu'on avait reçues. Pourquoi il y a deux chronomètres? Beaucoup de gens posent la question, tout simplement parce que le chronomètre qui est sur le live d'Ariane, donc le gros rond, c'est le début de leur live. Voilà, ils ont mis un chronomètre pour le début de leur live, de leur présentation. Du coup, moi, je vous ai mis le chronomètre jusqu'au lancement, donc T-31 minutes et 32 secondes, c'est-à-dire à 14h14 UTC plus 2, heure de Paris. Est-ce qu'on parlerait pas des petites lunes? Les petites lunes, donc on a Europe, on a dit. Alors Europe, c'est la sixième plus grande lune du système solaire. Je vais dire de Jupiter, mais c'est la sixième plus grande lune du système solaire. JUICE va effectuer deux survols d'Europe. L'approche la plus proche sera de 400 km de la surface de la Lune. Lors de ces survols, qu'est-ce que va faire JUICE? Elle va chercher principalement de l'eau et des biosignatures. Elle va aussi essayer de cartographier un petit peu la géologie de cette Lune. Europe, c'est vraiment quelque chose qui focus un petit peu l'attention des scientifiques parce que c'est considéré comme l'endroit le plus prometteur de notre système solaire pour avoir un environnement habitable. Ouh là là, il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Je reviens tout de suite, les amis. Vas-y, c'est la poste. C'est la CIA. C'est les Men in Black qui ont débarqué pour me mettre un petit coup de piou-piou. Qu'est-ce qu'on disait, Europe? Europe, donc ouais, c'est un des endroits, si ce n'est l'endroit le plus prometteur, où on pense vraiment qu'il y a un environnement habitable. On pourrait aller plus loin en pensant qu'il y a peut-être de la vie actuelle sur cette Lune. Putain, j'ai couru dans les escaliers, c'est... Je vais reprendre mon souffle. Les scientifiques pensent qu'il y a probablement un océan d'eau salée sous la surface glacée de la Lune qui pourrait contenir deux fois plus d'eau que les océans de la Terre. Faut que je reprenne le sport un petit peu parce que là, juste courir les escaliers, ça va un coup de ventoline, dit FMN. Voilà.
Peut-être qu'Aren va me sauver la vie en lançant son live en même temps. Comme ça, je vous laisse avec Ariane et moi, je vais mourir et je reviens une fois que j'ai récupéré du souffle. Ah. Faut arrêter de fumer. Je fume pas. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc Europe, hyper important. Il y a Europa Clipper qui va aller sur Europe pour vérifier tout ça. Juice ne va pas vraiment... Alors, elle va essayer de détecter des biosignatures, on verra si elle le fait, mais elle n'est pas vraiment là pour détecter la vie, elle est plutôt là pour essayer de comprendre si les environnements sont adaptés à la vie ou pas. Et donc, ce sera Europa Clipper qui va partir, une mission de la NASA qui va aller là-bas pour voir si vraiment il y a de la vie, ce qui serait assez fou. La question sous-jacente à tout ça, je l'ai dit hier, mais c'est est-ce qu'en fait, on a... Alors, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, mais on va dire d'un point de vue statistique... il y a encore 25 ans, on ne savait pas qu'il y avait des exoplanètes dans l'univers. On ne savait pas qu'il y avait d'autres planètes autour des étoiles. Certains disaient qu'il y en avait, d'autres disaient bah, on n'a pas de preuves, donc il n'y en a pas. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y en a pas. On en a trouvé, on en trouve de plus en plus. On en trouve quasiment autour de toutes les étoiles. Donc après, on se dit, est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes? La vraie question, c'est est-ce que la vie, elle est... parce que pour certains, ok, je fais partie de ceux-là, mais peut-être vous pouvez me contredire, parce qu'on ne sait pas encore... Mais d'un point de vue statistique, que la vie est plus développée ailleurs, que ce soit des bactéries, des virus, des micro-organismes, ce que vous voulez, sans parler de vie intelligente forcément, a pu se développer ailleurs, la probabilité est quand même assez grande. Après, une question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que la vie est systémique? Est-ce qu'elle se produit systématiquement dès que les conditions sont là? Ou est-ce que c'est très très rare? C'est-à-dire que même quand les conditions sont propices, eh bien ça reste une particularité et c'est très très rare. Bien sûr, si on commence à découvrir de la vie actuelle ou passée dans Europe, dans Ganymède, voire à plusieurs endroits, on pourrait commencer à se dire bah peut-être que dès que les conditions sont là, dès qu'il y a assez d'énergie, dès qu'il y a les composants essentiels, oh la météo est bien pourrie, dès qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça puisse s'engencer, eh bien si on commence à en trouver un petit peu partout dans notre système solaire, en tout cas sur ce qu'on pense être habitable, eh bien on pourra se dire c'est peut-être pas si rare que ça et ça changera aussi notre paradigme. Voilà, ça va nous ouvrir bien sûr plus de connaissances sur sur l'univers. Elle est vachement sympa la maquette derrière là, parce qu'en plus ils ont même mis le petit dessin de la coiffe. Elle est assez grande. Je sais pas si Thomas Pesquet et Mathias Maurer reviendront aujourd'hui. Est-ce que c'est eux? Non, c'est le boss. C'est le boss d'Ariane Espace qui est en train de parler. Voilà pour Europe. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Callisto. On n'a pas parlé de Callisto. Donc Callisto, c'est la deuxième plus grande lune de Jupiter. Et c'est la troisième plus grande lune du système solaire entier. La surface de Callisto, c'est la lune la plus ancienne et la plus cratérisée de notre système solaire. Ce qui signifie en fait que son étude peut nous amener à comprendre pourquoi, à quoi ressemblait en fait l'environnement au tout début du système jovien. Juice va effectuer 21 survols de cette lune avec une approche au plus près à 200 km. C'est vrai que je ne l'ai pas dit hier, j'ai fait une petite aparté sur Jupiter parce que j'étais parti dans mon délire. Je ne l'ai pas redit là, mais en fait, Jupiter est hyper importante, même si on en parle très très peu, c'est pas une planète qu'on connaît très très bien. Jupiter est hyper importante pour nous. Je vais refaire la petite aparté que j'ai fait hier, mais c'est qu'en fait, vous savez, aujourd'hui on a l'hiver chez nous, on a l'été. Et bien cette inclinaison, c'est dû à l'inclinaison de la Terre, hein. Hier je le disais, il y a beaucoup de gens, notamment des enfants, qui pensent que l'été et l'hiver sont dus à l'éloignement en fait de la Terre par rapport au Soleil. C'est pas le cas, puisque dans l'hémisphère sud, quand c'est l'hiver, c'est l'été dans l'hémisphère nord et vice-versa. En fait, c'est l'inclinaison de la Terre qui fait qu'on reçoit plus ou moins d'énergie du Soleil et donc qu'on est en été ou en hiver. Et puis, on se rapproche de l'équateur et moins on a ces fameuses quatre saisons. Et plus vous allez au pôle et moins aussi vous avez nos petites quatre saisons qu'on connaît très bien en France. Et en fait, ça, cette stabilité, en tout cas, cette inclinaison-là, elle est due en fait aux interactions gravitationnelles entre le Soleil, la Terre et Jupiter. Jupiter qui est un Soleil avorté, qui a été trop petit pour réussir à déclencher la fusion nucléaire en son sein avec l'hydrogène, mais qui est d'ailleurs une planète qui contient énormément d'hydrogène, qui a les mêmes composants en fait que le Soleil. C'est une quasi-étoile qui a été avortée. Et selon certains scénarios, ça reste des scénarios, hein, des hypothèses,
Il se pourrait même que la Terre soit due au fait, en fait, qu'avant Jupiter était beaucoup plus proche du Soleil. Elle a fait un petit aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur du système et elle aurait laissé des petits bouts, des poussières, des morceaux comme ça autour d'elle, parce que c'était tout un nuage de morceaux autour d'elle avec la masse qu'elle avait au tout début de notre système solaire. Et en fait, la Terre, Mars, serait constituée de ces miettes de Jupiter. Donc ça, c'est un des scénarios. Donc c'est une planète gazeuse, bien sûr, extrêmement importante pour notre système solaire, même si on en parle, et peut-être même pour nous, même si on en parle assez peu. Enfin, la dernière lune, not last. Ah, il y a Gonogo. Attendez, oh là là, mon casque. Et après, on parle de Ganymède. EOCS go. Platform go. Flight dynamics go. Project rep go. Project support go. Softcord go. Software support go. Estrac go. Scheduling go. Thanks, this completes the roll call for the Juice mission. We are go for launch. On est go pour le lancement jusqu'à ce que la météo dise l'inverse. Ok, on est go pour le lancement. Ganymède, on n'a pas parlé de Ganymède. Ganymède, qui merci Jocen pour tes 10 €. Mort de rire, nous dit Jocen. Merci à toi, ça fait 160 € en tout, Jocen, attention. Tiens, j'ai enlevé mon chronomètre d'ailleurs, j'ai pas vu. Hop, maintenant qu'ils ont mis le leur, voilà, comme ça, c'est pas masqué. D'ailleurs, on a passé les 55 000 abonnés, merci à vous. On les a passés hier soir, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification si vous voulez suivre les lancements spatiaux en direct. Surtout qu'on va se retrouver très très vite lundi, ne loupez pas le vol à 14h, on se retrouvera sur le coup des midi et demi pour le lancement exceptionnel et historique de Starship, de SpaceX. Ça va être une folie si ça décolle, ça va être la fusée la plus puissante du monde qui sera testée demain, un prototype qui va enflammer le ciel, ça va être incroyable. Donc pour revenir à Ganymède, les amis, hop, je vais baisser un petit peu le son là. Ganymède sera la cible principale donc de Juice. Hein. Le vaisseau spatial va effectuer 12 survols de la Lune. C'est la plus grande lune, c'est la plus grande des lunes de Jupiter et du système solaire. Juice qui s'approchera jusqu'à 400 km lors des survols. Mais une fois qu'il sera en orbite de la Lune, il visera à s'approcher jusqu'à 200 km de la surface. Les principaux objectifs des observations de Juice, ce sera d'observer le champ magnétique de la Lune. Il faut savoir que Ganymède est la seule lune de notre système solaire à générer son propre champ magnétique. C'est une lune, mais c'est une mini planète en fait. Elle est plus grande que Mercure, pour vous donner une idée, Ganymède quand même. On va essayer de rechercher du coup des océans cachés, de rechercher de la glace. On va essayer d'étudier les interactions entre Ganymède et Jupiter. Et on va aussi essayer d'évaluer l'habitabilité, essayez de le dire chez vous, l'habitabilité potentielle eh bien, de cette lune. Donc JUICE, c'est une mission qui est dirigée par l'Agence spatiale européenne. C'est une mission extrêmement ambitieuse, je pense une des missions les plus ambitieuses de l'Agence spatiale européenne qui va durer des années. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment très 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 costaud. Je pense que la prochaine mission ambitieuse, ça sera d'aller rechercher les échantillons de persévérance sur Mars. Ça sera les Européens qui feront ça. Et là, ça va être aussi incroyable parce qu'on va atterrir sur Mars, on va prendre les échantillons, on va les ramener sur Terre. On va être dans un délire total. Mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment une des missions les plus ambitieuses, juste pour l'ESA. Mais on a plusieurs collaborations internationales. Le vaisseau spatial qui va transporter 10 instruments scientifiques, 9 qui seront dirigés par des opérateurs européens et un dirigé par la NASA et aussi la JAXA et l'Agence spatiale italienne, voilà, qui ont fourni pour info des instruments. On va revenir en détail dessus. Il y aura un interféromètre radioplanétaire à l'expérience Doppler en plus qui s'appelle Pride dessus, ainsi qu'un moniteur de rayonnement qui s'appelle Radem. Merci Fan2 pour tes 10 € qui nous dit bravo pour tout. Et ben, merci à vous d'être là les amis. Mince. Ah si, c'est là. Voilà. Je voulais juste vous mettre... Alors, je vais voir ce qu'ils vont nous montrer. What about Juice? Ok, donc là, ils vont nous expliquer la mission.
Jupiter. Moi, je voulais vous montrer un truc quand même. Je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer Deuce tout simplement et regarder un peu tous les instruments qu'il y a dessus. Donc, il y a quatre instruments de télédétection. On a un système de caméra optique qui s'appelle Janus, qui examinera les caractéristiques globales, régionales et locales des lunes. Elle va cartographier les nuages de Jupiter. On pense notamment à la tache que tout le monde connaît et qui a l'air de diminuer avec les années. On a un spectromètre imageur invisible à infrarouge qui s'appelle MAGIS, qui va étudier les nuages et l'atmosphère de Jupiter. Il va également étudier la glace et les minéraux à la surface des lunes. On aura un spectrographe, pardon, imageur UV qui s'appelle UVS, qui va étudier la composition et la dynamique des exosphères de la Lune. Donc une atmosphère autour d'une Lune, c'est une exosphère. La NASA, c'est la NASA qui a fourni cet instrument d'ailleurs. Attendez, je vais. On voit juste parce que les images qu'ils nous montrent, elles sont sympas, ces petites animations. Ah oui, il suffit que je dise ça pour qu'on nous montre plus la petite animation. Et donc, je remets du coup. Il y a un instrument à ondes millimétriques qui s'appelle SWI qui va étudier la température, la composition et la dynamique des exos. Hop, je remets. Et la composition, la dynamique de l'atmosphère, pardon, de Jupiter. Il y a trois instruments géophysiques. On a un sondeur radar qui s'appelle RIM, qui va. C'est un radar à pénétration de glace qui va être capable d'étudier les structures internes des lunes jusqu'à une profondeur de 9 km. Ça va être un peu juste pour Europe parce qu'on pense que la profondeur est entre 10 et 50 km de profondeur. Pour les océans gelés, enfin, pardon, pour les océans liquides sous la glace, on verra ce que nous dira le sondeur radar. On a un altimètre laser qui s'appelle GALA, qui est fourni par l'agence spatiale japonaise et qui va étudier la surface des lunes et la déformation des marées de Ganymède. On aura une expérience scientifique radio qui s'appelle 3GM, qui est fournie par l'agence spatiale italienne et qui va examiner en fait les champs gravitationnels de Ganymède, les océans internes des trois lunes et l'atmosphère et l'ionosphère de Jupiter et des lunes. Et on finira par les trois derniers instruments. Il y a un magnétomètre qui s'appelle JMAG. Oh là là, il y a Thomas Pesquet. Oh là là. Ah là là. Il y a Thomas, il y a Mathias. On est obligé de s'arrêter. Thomas qui n'a toujours pas trouvé un t-shirt à sa taille. Il a fait trop de muscu, Thomas, là. C'est Thomas Pesquenator, on l'appelle maintenant sur Twitter. Et l'ESA n'ont plus la taille de Thomas Pesquet, quoi. Smartphones, the navigation, the weather report, and then you have the more medium-term, I would say, applications. The reason we know today. Donc, il nous parle pas du tout de Juice là. On nous parle de voilà des. Thanks to all the missions we send around the Earth and observing the Earth, so that's kind of the more medium terms. Space agencies are the champions or of fighting against climate change. Donc on nous parle de la lutte climatique voilà, qui est bénéfique depuis l'espace avec l'observation de la Terre. Les agences spatiales sont les championnes pour ça. Donc on a avec toutes les technologies qu'on développe dans l'espace diffuses dans la société, que ce soit médicale notamment. On peut aussi voir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, comment s'est formé le système solaire, voilà des questions un peu essentielles. On va parler de Juice aujourd'hui, qui va décoller dans un long voyage. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut dire à peu près de l'exploration spatiale humaine? Donc la prochaine cible, ça sera la Lune. Donc l'ESA qui travaille avec la NASA dans le cadre du programme Artemis, notamment avec l'ESM sur la capsule Orion. Donc on va maintenant partir sur la Lune et explorer la Lune. Et tout ce qu'on va apprendre sur la Lune nous servira un jour à aller sur Mars. Est-ce qu'on pourra apprendre sur Mars? Est-ce que la faible atmosphère de Mars et le fait que l'eau se soit évaporée, est-ce que ça pourrait nous arriver à nous aussi? Alors, ce que j'aimerais savoir de vous, Mathias, est-ce que vous êtes prêt à prendre part à cette exploration? Donc oui, on est prêt à voler, voilà, on a volé en orbite terrestre basse, on est prêt à aller sur la Lune.
On espère être les, voilà, les mains et les yeux des géologistes. Donc on voit voilà, des astronautes européens aller sur le terrain et apprendre dans tous les champs. Donc maintenant, on va avoir un endroit pour s'entraîner pour aller sur la Lune. Et donc, on s'entraîne là-bas pour participer aux missions Artemis. Et donc, on doit aussi, quand même, on ne va pas juste se concentrer sur la Lune, on doit aussi avoir des astronautes européens qui volent vers l'ISS. Et donc, on a une nouvelle classe d'astronautes qui est arrivée et qui vont aller sur la station spatiale internationale. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura des astronautes qui voleront depuis le centre spatial guyanais? Donc une des grandes missions que l'agence spatiale européenne a, c'est de rendre l'Europe souveraine pour le vol spatial habité. Et donc la Guyane française est la place idéale pour envoyer des fusées. Donc notre grand rêve, c'est de décoller d'une fusée européenne dans une capsule européenne. Et donc après, on verra si. Et on. Ah oui, elle dit que du coup, vous serez heureux d'accueillir vos camarades de la NASA également. Il a dit oui, bien sûr. Donc on verra très prochainement que la Chine invitera probablement des astronautes d'autres pays à voler avec eux également. Donc c'est important pour l'Europe, voilà, d'être là et d'avoir aussi son vol habité. Et il y a le boss de l'ESA, Joseph, qui vient parler. Donc on parle du vol habité indépendant. Donc ce n'est pas à moi de rendre ça possible, voilà, c'est à tous les partenaires de rendre ça possible. Donc on a consulté des experts indépendants pour qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe, pour l'unité de l'Europe, les bénéfices économiques pour ce genre d'activité. Et voilà, donc parlons de JUICE, puisque c'est là qu'on est là, et c'est aussi un signe de l'excellence européenne. Raphaël Chevrier, les amis, qui était en interview sur la chaîne YouTube Ufotini, que vous pouvez retrouver également la vidéo sur la chaîne si vous voulez voir. C'était très intéressant pour savoir un petit peu comment Ariane fonctionne. On a parlé notamment de SpaceX, d'Ariane face à SpaceX, donc c'était plutôt très cool. N'hésitez pas à aller, aller voir ça. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, on a parlé des instruments, on n'a pas terminé. Putain, 120€, Joseph, j'ai dit putain. 120€, tiens poteau, tu mérites. Joss N qui régale, je sais pas ce qui t'arrive. Est-ce que tu as trouvé une carte bancaire par terre, Joss N? Merci en tout cas à toi pour ton soutien, qui dit tiens poteau, tu mérites. C'est assez exceptionnel, les amis. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on peut continuer comme ça. Et pour ceux qui regardent gratuitement, la meilleure manière de soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne, hein, et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Vous n'allez pas louper le lancement, je pense, de lundi avec Starship, sans doute un des plus gros lancements. Et cette année, on a aussi d'autres lancements qui nous attendent, vraiment très importants. On aura la première mission, notamment entièrement civile, avec la première sortie extravéhiculaire dans l'espace entièrement civile. C'est SpaceX qui prépare ça pour cette année. On aura normalement le premier vol habité de la capsule Starliner de Boeing en direction de la Station Spatiale Internationale. Donc vraiment, vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner. On est déjà 55 000. On est combien ? 50, je sais plus. 55 029. Merci à vous, les amis, pour tous ces abonnements et votre soutien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce aussi en bas de la vidéo vers le haut, ça permet à l'algorithme YouTube de mettre en avant la chaîne. Et puis si vous êtes en replay, mettez un petit commentaire, YouTube aime bien ça également.
La sonde Juice, voilà, qui va décoller dans 10 minutes 17, on l'espère, va vivre aussi des choses assez compliquées. C'est une mission assez, assez compliquée, parce qu'on va devoir opérer dans un environnement quand même qui est assez extrême. On a l'habitude hein, maintenant d'opérer en orbite terrestre basse, où on est protégé par la magnétosphère terrestre. Ce ne sera pas le cas de Juice, là, qui va se taper 5 milliards de kilomètres en 8 ans. Elle va faire face à quoi? À des hauts niveaux de radiation, puisqu'on va être dans l'un des environnements radiatifs les plus intenses du système solaire. Donc il faut protéger les instruments électroniques sensibles, notamment. On va être à longue distance, hein, parce que même si la sonde, elle fait 5 milliards de kilomètres, comme je vous l'ai dit, vous savez, dans l'espace, on tourne autour des planètes et on fait de l'assistance gravitationnelle. On ne fait pas de la ligne droite. Les planètes, en plus, bougent les unes par rapport aux autres. Donc, quand la sonde sera à proximité de Ganymède, elle sera quand même à 1 milliard de kilomètres de la Terre. C'est-à-dire qu'il faudra à peu près 45 minutes au signal si la sonde nous envoie des données pour recevoir les données. Et il faudra aussi 45 minutes pour les renvoyer. Donc, vous voyez, à peu près 1h30. Donc, s'il y avait un problème, on reçoit les données, on doit chercher le problème. Je ne sais pas, on met 1 heure, 2 heures. Vous voyez, le temps qu'on renvoie un patch ou quoi que ce soit sur la sonde, c'est extrêmement lent. Donc, il y a une antenne de 2,5 mètres qui va servir à envoyer les données. Mais il y aura aussi un ordinateur de bord assez puissant et qui pourra résoudre certains problèmes de manière autonome. On va devoir faire face aussi, j'ai parlé d'ordinateur. Je ne sais pas combien fait de watts votre ordinateur, mais le mien, j'ai une alim de 950 watts. Sachez que les panneaux solaires, ils seront loin de la lumière du soleil. 25 fois, on va recevoir 25 fois moins de soleil que sur Terre. Donc les panneaux solaires, là, ils sont énormes. Ils sont sur une superficie de 85 mètres carrés. Ça fait une envergure de 27 mètres pour la sonde quand ils seront déployés, afin de recueillir un maximum de photons solaires. En fait, on sera à peu près... Oh, il y a un verre météo, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on croise les doigts. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en fait, on sera entre 600 et 900 watts. Donc, autant vous dire de quoi alimenter un micro-ondes. Enfin, un micro-ondes, un toaster, comment on dit en français? Un toaster. Bah, dites-moi dans le chat comment on dit en français toaster. Un truc pour faire griller le pain, là. Un grille-pain, merci. En plus, je le dis pour faire griller le pain. Merci, les amis, de m'aider avec mon français. Merci, Jocen, qui est devenu sponsor de qualité. En plus, bah, bienvenue parmi nous et merci pour ton soutien. Donc, on a dit la puissance faible et aussi les températures extrêmes. Parce que quand on va aller voler vers Vénus, on va se taper un plus 250 degrés Celsius. Mais quand on va aller se diriger vers Jupiter, on va se taper à moins 230 degrés Celsius. Donc, il va falloir protéger tout ça. Et en fait, il y a une couche à isolation, une couverture à isolation multicouche pour maintenir stable la température interne du satellite. Témoin 7 minutes 17 avant le décollage. Ah, on est revenu. Ok. Je pensais qu'ils allaient... Ah. Lanceur. Alors début de la séquence finale lanceur, donc on sera sur une fusée, puisque j'ai pas parlé de la fusée, on sera sur une fusée Ariane 5 ECA qui fait 53 mètres de haut, 5,40 mètres de diamètre, 777 tonnes de décollage. Il y a deux étages sur cette fusée, on les voit là, ici deux étages et deux propulseurs d'appoint sur les côtés. Le premier étage, donc le plus bas, est propulsé par un moteur Vulcan 2 qui utilise des ergols, donc un carburant et un comburant qui servent à maintenir, ben vous l'aurez compris, de brûler et d'échapper les gaz par la tuyère pour créer une poussée. On a l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide. Ce sont donc deux gaz à la base qu'on a comprimés et qu'on refroidit pour maintenir sous forme liquide. Ils sont donc cryogéniques. Et donc, c'est ce qui sert à allumer ce moteur Vulcan 2, ce qui sert à la combustion de ce moteur-là. La propulsion du deuxième étage, c'est un moteur cryotechnique, HM7B qui a 220 tonnes d'ergol et qui utilise également de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Et on a sur le côté les fameux propulseurs d'appoint, les EAP, qui veut dire étage d'accélération à poudre. Il y a 480 tonnes de poudre qui sont réparties dans ces deux étages d'accélération. Ces deux étages qui consomment 2 tonnes de poudre par seconde pendant environ 2 minutes. C'est eux qui fournissent le gros de la poussée au décollage. Contrairement à un moteur liquide dont on peut moduler la poussée et qu'on peut même éteindre ou rallumer, mais pas tous les moteurs, mais certains moteurs liquides, les moteurs à poudre, une fois qu'on les allume, ça brûle jusqu'au bout. Alors on peut un petit peu moduler la poussée quand même, puisque ça brûle par le centre, et en modifiant en fait la forme de ce canal central, on peut modifier la poussée
pour s'adapter un petit peu aux différentes phases de vol. Je parle notamment à Max-Q, Max-Q qui est le moment de contrainte aérodynamique lors de la montée, contrainte aérodynamique maximale. C'est généralement un moment où on diminue un petit peu la poussée pour passer ce moment un petit peu critique du vol. Voilà, Ariane 5 EAP, hein, pour vous rappeler, ça fait deux décennies qu'elle vole, Ariane. Il y a eu 5 versions différentes. Aujourd'hui, il y a une seule version qui est vendue, c'est l'Ariane 5 ECA, qui est capable de lancer deux gros satellites. Là, ça sera un. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'avant-dernière Ariane 5. Donc, profitez bien du vol, puisqu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura un autre probablement en juin pour lancer le satellite Syracuse 4B, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. C'est l'avant-dernière et ensuite, ça sera Ariane 6 qui prendra le relais. Ariane 6 qui sera, on nous l'annonce toujours avant la fin de l'année, qui sera probablement en retard et qui volera probablement, je pense, en 2024. Voilà, donc on croise les doigts. Donc, on aura un petit moment sans lanceur lourd, puisque lanceur léger, on a toujours Vega et Vega C. Mais vous le savez, il y a eu un incident récemment sur Vega C. On a perdu la fusée. Donc, en fait, on va se retrouver de facto un petit peu sans lanceur, pour être tout à fait honnête. Mais on espère qu'Ariane 6 arrivera très vite et qu'elle fonctionnera de manière nominale. Ça sera la 295e mission Ariane aujourd'hui, 11e mission, première mission pardon, d'Ariane Espace en 2023. Ça sera la 116e mission Ariane 5, 53e pardon, lancement orbital de 2023, toute humanité confondu sur la coiffe, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Il y a un dessin, c'est la reproduction du dessin de Yarina, qui est une jeune Ukrainienne qui a participé en 2021 à un concours organisé par l'ESA pour illustrer cette mission Juice et Jupiter. Donc le dessin est vraiment cool, moi je l'aime bien. Donc c'est vraiment sympa de l'avoir mis en haut. Merci pour tes 20 euros, Jacen, qui nous dit tu es incroyable. Bah, c'est surtout Jacen qui régale aujourd'hui. Bruno qui nous dit bravo UFO à toute l'équipe pour les 55 000 abonnés. Bah, merci à vous, les amis. Merci à vous en tout cas pour votre soutien. Donc, Juice qui fait, ah bah, là on voit le dessin qui est vraiment, moi je trouve vraiment sympa. Je sais pas quel âge elle a, Yarina, j'ai pas regardé son âge, mais en tout cas, je trouve que le dessin est vraiment, vraiment cool. On devrait le faire plus souvent en fait sur toutes les fusées. Voilà. C'est toutes les fusées, on met un dessin. Juice qui fera la séparation avec le lanceur 5693 kg, donc avec les ergols, et puis elle fait 2325 kg à sec. En termes de taille, alors c'est difficile de s'imaginer, mais ça fait 4,1 mètres par 2,9 par 4,4. Je vous donne une petite idée. Avec une panneau, comme je vous le disais tout à l'heure, les panneaux solaires quand ils vont se déployer, avec une portée de 27,1 mètres. Et on est parti témoin. 20 secondes avant le témoin, 2 minutes 20 secondes pardon, avant le décollage. Ah, je sais pourquoi le son n'est pas fort. Voilà. Je me demandais pourquoi le son n'était pas fort. On voit tout le monde en train de regarder, donc bonne position pour regarder le décollage. Témoin 2 minutes 14h14, 14h41, on devrait avoir la séparation de Juice et de la séparation de l'étage d'Ariane 5. À 14h50, on devrait avoir l'heure la plus proche, on va acquérir le signal de Juice. Et il va falloir une petite heure pour déployer les panneaux solaires. Donc on devrait avoir le déploiement final des panneaux solaires à 15h55, tout est vert pour le décollage. The Vulcan engine will ignite first, we need to check it's working properly. Les amis, si vous aimez suivre les événements spatiaux en direct en français, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et à cliquer sur la clochette de notification pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter où je suis hyper actif comme tout le monde et ça permet d'avoir de l'information plus en temps réel que sur YouTube. Sur Twitter, c'est UFOTINIK également, UFOTINIK. Et si vous avez envie de discuter avec toute la communauté, eh bien, on est déjà plus de 2000. Moins une minute. Moins une minute. Top H0, moins une minute. Top H0, moins une minute. C'est bon, c'est parti. Sur Discord, vous pouvez nous retrouver également. Il y aura le lien en commentaire et le lien dans le chat. Vous pouvez discuter avec les autres passionnés du spatial. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. During which the Vulcan engines are set on and then the launcher takes off. Go Ariane 5. Go Ariane 5. Enjoy. Et on profite de l'avant-dernier lancement.
de la fusée Ariane 5. À tous deux vidéos, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage EAP, décollage. Cette fusée, elle décolle tellement vite et c'est parti! La propulsion est nominale. Donc on est chez Ariane et donc on n'aura pas, pour info, de caméra à l'intérieur, malheureusement. La propulsion est nominale. Et comme il y a des nuages, eh bien... And there we go, we can, we've seen the Ariane 5. Alors j'avoue que ça fait un petit peu mal au cœur quand on voit tout ce que nous offrent les autres agences spatiales que de ne pas avoir de caméra sur la fusée Ariane, ça me dépasse un petit peu. In Kourou, there are many places from which to watch these launches. As you can see, the beach, any place. Ah, and here we have a glimpse again of the rocket. Raphaël, it's an amazing sensation for you as well, I'm sure. Yeah, even. With the clouds, it's just... La trajectoire est nominale, tous les paramètres bord sont nominaux. La trajectoire, mais regardez les pauvres, même la caméra ne peut rien faire, une couche nuageuse, voilà. Donc ça c'est un truc que Ariane doit absolument changer dans sa communication. Il faut absolument mettre des caméras à l'intérieur de la fusée. Voilà, donc on va avoir le droit à une petite animation. And in fact, just to sum up what the DDO does in three words, his et la prochaine étape, voilà. Donc on est en train de monter, on a 50 km d'altitude, 1,98 km, enfin 2 km secondes maintenant. La prochaine étape sera donc la séparation des EAP d'ici normalement 6 secondes. Donc les étages d'accélération à poudre, hein, les deux boosters latéraux, voilà, séparation. Donc on se débarrasse du poids, ils ont fini de pousser. On continue à monter, on a 78 km d'altitude. La distance, c'est par rapport au point de départ. Ici, vous avez en vert, en fait, la trajectoire nominale, celle qu'on veut atteindre. En jaune, celle actuelle. Donc on voit qu'elle se superpose, c'est nickel. Ici, vous avez la trajectoire sur la planète Terre avec les différentes stations de relais qui vont prendre le relais au fur et à mesure. On voit qu'il y a des petites zones où il n'y a plus de communication avec la fusée. Donc en fait, c'est des petites... voilà. La trajectoire est nominale. Voilà, donc on voit qu'on saute d'une station à l'autre et qu'on est sur une direction, une inclinaison équatoriale. Là, on part à l'équateur. Tous les paramètres bord sont nominaux. On vient de passer la ligne de Kármán à 100 km d'altitude, donc on est officiellement dans l'espace. Et les coiffes viennent d'être larguées. Séparation coiffe confirmée. Ok, tout va bien. Maintenant, voilà, on voit Juice qui est maintenant exposé au vide de l'espace. Le premier étage qui continue à pousser. Qui va pousser pendant encore un petit moment là. Into space. It la also propulsion means, est nominale. It also means that propulsion nominale, tout va bien. Et donc on va attendre maintenant le T plus 8 minutes et 44 secondes pour l'extinction du premier étage et la séparation de l'étage principal de l'étage supérieur. I can mention that during, and we can actually see it on the motion design, because this is 3D animations here, that during the ascent phase, the launcher is set in what we call the altitude. So it's slightly rotating on itself at a speed of 0.7 degrees per second. Le pilotage est calme, la propulsion est nominale.
So we do this so that every face of the satellite is equally exposed to the sunlight. Donc vous voyez qu'ils sont en train de faire tourner la fusée sur elle-même lentement. En fait, c'est pour éviter que le satellite prenne tout le soleil sur la même face et surchauffe. Donc en fait, la fusée est en train de tourner pour que le satellite puisse avoir en fait le soleil qui va exposer toutes ses faces et diffuser la chaleur comme ça et ne pas griller l'électronique à l'intérieur du satellite. Blueskill qui demande est-ce qu'ils vont sur Jupiter. Oui, on part sur Jupiter, l'Europe part sur Jupiter. C'est vrai pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une fusée Ariane 5 qui vient de décoller depuis le centre spatial guyanais et qui envoie JUICE, donc une sonde spatiale qui s'appelle Jupiter Icy Moons Explorer et qui va explorer les lunes glacées de Jupiter que sont Ganymède, Callisto et Europe. Et on va aller voir si les conditions là-bas pourraient permettre d'abriter la vie. Et est-ce que la vie aurait pu se développer, entre autres, puisqu'on va aussi se servir des données pour essayer de modéliser le système global de Jupiter comme un archétype de ce à quoi ressemblent en fait les géantes gazeuses dans tout l'univers. Donc, on ne va pas rester en live jusqu'à l'arrivée sur Jupiter, puisqu'il va falloir 8 ans. 5 milliards de kilomètres, mais on sera là dans 8 ans. Dites-moi quel âge vous aurez dans 8 ans quand la sonde arrivera. Ça sera en octobre 2029. La sonde arrivera après 5 assistances gravitationnelles et 88 mois de voyage et 5 milliards de kilomètres. Arrivera sur Jupiter. Je suis curieux de savoir. Et ensuite, la mission va se poursuivre jusqu'en septembre 2032. Le vaisseau spatial qui entrera alors autour de Ganymède, en orbite autour de Ganymède, pour une autre mission scientifique. Enfin, c'est la même, mais pour aller observer Ganymède de plus près. Ganymède, qui, je le rappelle, est quand même la plus grande lune du système solaire. C'est la seule lune du système solaire qui a son propre champ magnétique. Et Ganymède, qui est plus grosse que Mercure, hein, pour vous donner une idée. Donc c'est une énorme lune, c'est presque une planète qui orbite autour d'une autre étoile qui s'appellerait Jupiter. Jupiter qui est tellement grosse, en fait c'est une étoile avortée, elle n'était pas suffisamment grosse pour devenir une autre étoile. Mais si elle avait été un petit peu plus grosse, notre système solaire serait très différent, la Terre n'aurait probablement pas existé et on serait finalement sur Tatooine puisqu'il y aurait deux soleils. Petite dédicace à Star Wars. Oh là là, il y en a qui auraient... Malcolm qui dit qu'il y aura 18 ans. Qui a 10 ans alors. On a Stéphane Ruiz 49, Swadzin 29, Manu Forman 48, aïe nous dit-il, Cyril 51, Olivier Génard 79 ans. Jocen qui nous dit « Moi, la fusée arrivera au moment où je rentrerai en retraite. » Alors ça dépend de quand est-ce que tu prends ta retraite. Tout seul à retraite, comme ça vous aurez le temps de regarder la sonde arriver. Est-ce qu'on sera toujours là sur UFO Tinic en 2029? C'est la question. Ok, tout va bien. So yeah, this is like a relay race with one telemetry station passing the baton to the next one. Donc c'est quelle heure là? 14h23. Donc la séparation de JUICE aura lieu à 14h42. Bon déjà on a les deux étages là à séparer. Et ensuite en fait faudra acquérir le signal de JUICE pour voir que JUICE communique avec nous. Ça devrait arriver à 14h50 à peu près. Enfin, ça sera le moment le plus tôt auquel on pourra acquérir le signal. Donc, ça sera quand même un bon signe que le satellite va bien, enfin que les satellites, que la sonde interplanétaire va bien. Et ensuite, il y aura le déploiement des panneaux solaires qui devrait se terminer vers 15h. Ah voilà, séparation des deux étages. Allumage de l'étage supérieur. L'allumage de l'étage supérieur cryotechnique. Ah, il y a Mathias Maurer qui vient foutre le boxon. Ok, l'allumage est confirmé. Donc là, on a la CIMU hein, qui se base sur les horaires. Mais il faut bien écouter le DDO, le directeur des opérations, pour être sûr que c'est bien.
Donc le deuxième étage est allumé, tout a l'air assez bien pour l'instant. On est à 206 km d'altitude. On va monter bien plus haut que ça puisqu'on va monter jusqu'à 1538 km. Et on va aller faire une injection en orbite à T plus 25 minutes et 25 secondes. Et donc la séparation de Juice à T plus 27 minutes et 44 secondes. Donc là, on va monter. Alors je dis ça, puis l'altitude est en train de redescendre. Alors c'est normal que l'altitude redescende, c'est prévu, on le voit sur la petite courbe ici, qu'on est en train de la suivre, mais on va remonter après. Trajectoire nominale, tous paramètres bord nominaux. Est-ce que Jupiter, demande Jérémy, est plus éloigné de la Terre que Mars? Oui, Jupiter est sur la couronne extérieure. Donc il faut passer les orbites de la Lune, il faut passer les orbites de Mars, il faut poser la ceinture d'astéroïdes et ensuite on peut aller se diriger sur la ceinture extérieure et aller se diriger vers Jupiter. And there's already a fully integrated Ariane 6 on the launch pad right here in Kourou. Kourou, you're going to tell us about that, Raphaël. So can you take us through the latest developments Absolutely. With Ariane 6? So last year was quite exciting for Ariane 6 with the start of the what we call the combined test corresponding to the meeting between the launcher and the launch pad here in Europe's spaceport. Les paramètres bord sont nominaux. Je sais qu'il y aura 62 ans, je serai à la retraite car je suis chauffeur poids lourd et j'ai une carrière longue, ce qui fait que je partirai avant les 64 ans. This operational scheme is actually a big difference with respect to what is done with Ariane 5. It is made possible thanks to this mobile gantry, which will obviously. Alors on me dit, j'ai dit 8 ans au lieu de 6 ans, mais c'est parce qu'en fait, quand je dis 8 ans, c'est l'intégralité de la mission, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle se mettra en orbite autour de Ganymède, qui est son objectif principal. And a first power test was performed. Then dry run will be performed, followed by the actual fueling operations of the central. La trajectoire est nominale, tous les paramètres bord sont nominaux. Teams will also perform hot firing tests of the lower stage engine Vulcan 2.1, including a long firing test, and hot firing tests of the upper stage were successfully performed in 2022 and beginning of 2023 in Lampershausen. Ah, du coup, on a un petit peu de temps là pour discuter de ce qui va se passer après. Donc voilà, on a parlé aussi il y a quand même pas mal d'étapes qui vont arriver. Là, on a pas terminé le lancement. Hein. Le travail d'Ariane sera terminé à T plus 27 minutes et 44 secondes avec la séparation. Et c'est là où les gens qui s'occupent du satellite vont prendre le relais. Là, ils vont devoir s'occuper de contacter la sonde. Ils vont devoir déployer les panneaux solaires. Entre plus 16 heures et plus 17 jours, il y aura le déploiement des diverses antennes, des sondes, du bras. Juste pour la petite anecdote, la sonde va passer l'orbite de la Lune dans 32 heures. Elle va entrer sur une orbite solaire vers 16h30 UTC, donc 18h30 UTC plus 2, donc heure de Paris, le 19 avril, elle sera en orbite solaire. Et l'étage supérieur, là qu'on voit d'ailleurs, d'Ariane, là, que vous voyez, qui fait à peu près 5000 kg, restera sur une orbite solaire proche de la Terre, puisqu'il va se séparer, mais lui, il sera sur une orbite solaire également. Donc la sonde, après, va revenir, hein, elle va survoler. Elle va survoler la Lune et la Terre en août 2024. Ensuite, elle va survoler Vénus en août 2025. Ensuite, elle reviendra survoler la Terre en septembre 2026, hein, toujours pour accélérer et profiter de l'assistance gravitationnelle pour prendre de la vitesse et prendre de l'énergie au passage. Elle reviendra survoler la Terre en janvier 2029. Et c'est ce survol numéro 3 de la Terre en janvier 2029 qui mettra Juice enfin sur la voie de Jupiter. L'arrivée et l'insertion de Jupiter en orbite sont prévues pour 2031 et ensuite 2031 et donc ensuite il y aura 35 survols des lunes glacées hein, tout cumulé de juillet 2031 jusqu'en novembre 2034 avant de se mettre en orbite autour de Ganymède en décembre 2034. Joining us, Ariane 5 lifted off
14 minutes ago, just over 14 minutes ago, from the European spaceport here in French Guiana, carrying ESA's Jupiter Icy Moons Explorer into outer space. We're bringing you this live show from the Jupiter Control Room. Donc, on pourrait aussi avoir un petit peu des images parce que Juice est quand même équipé de deux caméras de surveillance qui vont capter notamment une partie du déploiement des panneaux solaires. Et quelques jours plus tard du déploiement de l'antenne radar de 16 mètres de long quand même. Et donc s'il y a des images normalement, oula, s'il y a des images normalement, Ariane devrait, en tout cas l'ESA pardon, devrait nous en fournir. Donc là on voit les panneaux solaires se déployer, 27 mètres. Hein. JUICE is a heavy spacecraft carrying 10 high precision instruments, including the most powerful remote sensing, geophysical and in situ payloads ever flown to the outer solar system. Building a spacecraft which has to construire une sonde spatiale qui doit voler autour de Jupiter est un challenge. Pour construire une sonde, vous avez besoin d'énergie qui provient habituellement du Soleil. Mais autour de Jupiter, il n'y a quasiment pas de Soleil. Donc on en a parlé, il y en a 25 fois moins que sur Terre. Donc un autre défi, tout ce que nous construisons doit pouvoir résister à des températures très faibles. On en a parlé tout à l'heure, hein, très faibles et très élevées d'ailleurs. Oui, l'environnement de Jupiter est très radioactif. Pour toutes ces raisons, les panneaux solaires et l'assemblage de ces trois technologies complexes constitue vraiment une ingénierie exceptionnelle, nous dit-il. Même une œuvre d'art. C'est, on va commencer à regagner de l'altitude. Wir werden für Juice das We will provide the propulsion system for Juice, which ensures that after leaving the launcher, it arrives correctly at Jupiter's moon and can work properly there. It's a fascinating thing, especially. On voit la toute petite cuillère de Juice. Mais là, avec des humains à côté, ça nous donne un peu plus de notion de la taille de l'objet. Engineers have devised advanced technological solutions so that JUICE can operate in extreme and harsh. Ouais, je coupe le son à cause de la musique. Hein. Je vais prendre quelques questions. Est-ce que JUICE est capable de détecter la vie? Alors JUICE, en tant que tel, n'est pas capable de détecter la vie. La mission est surtout conçue pour découvrir s'il pourrait y avoir des endroits autour de Jupiter, à l'intérieur des lunes glacées, où les conditions nécessaires pour maintenir la vie, donc de l'eau, des éléments biologiques, de l'énergie et de la stabilité, sont présentes. Donc on a quand même de quoi vérifier des biosignatures, notamment autour des geysers d'Europe qui sont très, une cible très privilégiée, sauf qu'il faut tomber au moment où un geyser sort. Donc on verra ce qui se passe dans 8 ans. Attends, je vais voir si on va pas louper un truc. Non, T plus 25 minutes, encore 8 minutes de croisière avant l'injection sur orbite. Donc pourquoi JUICE, on me demande pourquoi JUICE va graviter autour de Ganymède au lieu de Europe. Ça c'est une bonne question puisque Europe c'est quand même la cible privilégiée pour découvrir de la vie. On espère en découvrir même de la vie présente, ce qui serait quand même une grosse révolution en tout cas on en prendra un peu plus sur notre univers. Merci Malalot pour tes 5 euros vers l'infini et au-delà, nous dit-il. JUICE, salut à toi Malalot. Donc oui, pourquoi est-ce qu'on va graviter autour de Ganymède au lieu de graviter au lieu d'Europe? Il y a deux raisons. Ganymède, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, hein. Comme je vous le dis, elle est plus grosse que Mercure. C'est la plus grande lune du système solaire. C'est la seule lune avec un champ magnétique interne. Et donc, elle est assez unique. Donc, elle est plutôt intéressante pour ça. Elle a une histoire géologique assez unique. Et elle abrite un vaste océan souterrain
C'est presque, comme je vous dis, une planète qui tourne autour d'un autre soleil que serait Jupiter, mais un faux soleil, puisque c'est un soleil avorté, Jupiter. Deuxièmement, l'environnement radiatif est très rude autour d'Europe, parce qu'il est beaucoup, elle est beaucoup plus proche que Jupiter, cette lune Europe. Et donc, ça explique d'ailleurs pourquoi JUICE ne fera que deux survols de, eh bien de Europe, parce que c'est très compliqué de rester là-bas. Il faut se blinder, j'ai envie de dire, contre cet événement radiatif. Et donc, bah voilà, ça fait, c'est les deux raisons pour lesquelles on ne va pas tourner autour d'Europe. Ça parle français. My name is Rossella and I originally come from Italy. My name is Oliver Troll and I'm a German rocket engineer working for Ariane Group in Bremen. I'm Italian and I'm a telecommunication engineer. Je suis espagnol, je viens de la ville de Madrid. Bernito qui dit chaîne excellente et présentateur au top. Merci à vous, merci à tous les nouveaux abonnés. Guillaume qui demande est-ce que JUICE a des moteurs? Oui, elle a des moteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le guider? Il pense notamment à des objets dans l'espace durant ces milliards de kilomètres. Alors, c'est une bonne question. Les probabilités que ça arrive sont, que ça arrive sont quasi nulles. On pourrait penser par exemple que le fait de traverser la ceinture d'astéroïdes, ça va poser problème entre Mars et Jupiter. En fait, il faut savoir que dans les films, on voit toujours ces ceintures hyper rapprochées, enfin ces astéroïdes hyper rapprochés où il faut naviguer, etc. Non, les distances sont tellement grandes qu'en fait, entre les astéroïdes, il n'y a quasiment aucune chance de rentrer dans un astéroïde. Donc, en termes de probabilité, c'est extrêmement improbable que ça arrive. Et de toute façon, effectivement, on possède un moteur et on peut faire des corrections de trajectoire. Il y en aura probablement qui seront faites, qui ne sont pas annoncées là, mais qui seront faites au cours de la vie de JUICE, justement pour... pas pour éviter des débris, mais peut-être pour corriger quelques trajectoires. On l'espère le moins possible pour garder le plus de carburant possible. Est-ce que c'était la dernière Ariane 5? Non, c'était l'avant-dernière Ariane 5. Il reste encore une Ariane 5 qui devrait être lancée en juin. Pour l'instant, voilà, ça peut décaler. Mais c'était l'avant-dernière Ariane 5. En tout cas, c'est la dernière pour l'Agence spatiale européenne. Je m'absente juste deux secondes. Coming up to 22 minutes after liftoff, which means that in just over 5 minutes, JUICE will be separating from the mothership and starting its own life in space. Raphaël, can you give us an update on where we're at right now? So everything is working. Acquisition par la station télémesure de Malines. Du coup, on me demande comment JUICE est alimenté. Eh bien, comme on l'a dit, hein, la puissance de JUICE, ça vient principalement de son grand panneau solaire. Alors attendez, parce que là, on s'approche. Je répondrai à la question après. D'ici 3 minutes, on devrait avoir l'injection sur orbite. Donc là, on est à 557 km, 559 km d'altitude. Donc là, on est à 9,67 km seconde. On va regarder la manière dont on va faire l'injection sur orbite. Est-ce qu'on va gagner de la vitesse ou pas ? Donc on va l'amener sur une orbite d'éjection en orbite solaire. Donc il va falloir demander beaucoup d'énergie pour fuir la gravitation terrestre. Allez, moins de 2 minutes avant l'injection. Geostationary orbit usually happen in the evening. Today we launched in the morning.
meaning that the team had been working all night during the final countdown. And also, we had to slightly adapt the filling of the tanks of the upper stage with cryogenic propellant. The launcher was exposed to the Allez, témoin, une minute avant injection. Moment critique là, faut viser la bonne orbite et. D'altitude. Oh, le roi des Belges. Big up à tous nos amis belges, votre roi est sur place. On va attendre la confirmation de l'injection sur orbite. Coupure OSC confirmée, deuxième étage éteint. Séparation de Juice d'ici 1 minute et 44 secondes. Et le travail d'Ariane sera terminé. On va s'échapper de la Terre. Donc là, ils sont en train de réorienter le deuxième étage et Juice pour préparer la séparation. D'ici 40 secondes, séparation. Merci Emmanuel Weiss pour tes 2 euros de qualité. Merci à toi. On est à 55 055 abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés, les amis. Allez, 4 secondes avant séparation. Séparation de Juice confirmée. Séparation de Juice confirmée, les amis. C'est parti. 8 ans, 5 milliards de kilomètres. C'est parti pour un long voyage vers Jupiter. Et Juice qui reviendra nous voir 3 fois quand même sur Terre. Avec une première mondiale. Puisque sur sa première assistance gravitationnelle, elle se servira de la Lune et de la Terre pour faire sa première assistance gravitationnelle. Ce sera en août 2024. Bravo en tout cas Ariane qui a réussi cette mission encore une fois de main de maître. A reminder that this is the very very first leg of Juice's journey. You can see the emotions on the faces. That's really what makes space activities so special. It's like a reboost each time we launch a satellite. And what a satellite right now. On devrait avoir, il y a encore, voilà, ça c'est le travail d'Ariane qui est terminé. Maintenant, il va falloir opérer Juice dès maintenant
On devrait avoir d'ici 7 minutes l'heure la plus proche à laquelle on va pouvoir acquérir le signal de Juice qui va nous parler pour la première fois. Et donc on va attendre déjà ces 7 minutes pour voir si on a une confirmation que la sonde, elle, fonctionne correctement, en tout cas qu'elle est capable de communiquer avec nous. First signs of life from our passenger. You were going to say, Raphael? No, I was saying to say, yeah, this is the beginning of the journey for Juice. For the launcher, we may perform what we call a passivation of the upper stage, meaning that the remaining propellant of the tanks. Combien coûte cette mission? J'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais plus si c'est 1 ou 2 milliards. On n'est pas un milliard près, quoi. Je crois que ça fait à peu près entre 2000 et 4000 personnes quand même qui ont travaillé dessus pendant des années. Donc ouais, je crois que c'est entre 1 et 2 milliards, je crois. This is absolutely incredible. Juice is on its way to Jupiter. Donc, mission extrêmement ambitieuse hein, de l'ESA. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer en fait après, une fois qu'elle va arriver là-bas? Parce que là, on va avoir toute la phase, on va dire, de voyage hein, qui va être longue. Mais en fait, une fois qu'on reçoit des données, en fait, ces données-là, elles sont comment comme toutes les données, d'ailleurs, toutes les missions de l'ESA du système solaire, elles sont conservées dans un truc qui s'appelle le Planetary Science Archive, PSA, qui est en accès libre. Gratuit, les amis, pour info. Après, faut réussir à exploiter les données. Hein. En fait, les données des sondes spatiales, elles arrivent au centre ESOC de l'ESA en Allemagne, via des stations au sol dans le monde entier. L'ESA ensuite transforme le flux de données provenant du véhicule spatial en données scientifiques brutes. Ces données scientifiques brutes, elles sont étalonnées par les équipes scientifiques de chacun des instruments qu'on a cités tout à l'heure. Et ensuite, ces données vont être transformées dans un standard de l'archivage, hein, elles sont toutes transformées dans un standard et stockées dans des bases de données qui sont hébergées au centre ESAC de l'ESA, qui est en Espagne cette fois. Donc 1,6 milliard la mission, ouais, je me souviens maintenant. 1,6 milliard, je crois, le dernier chiffre que j'avais vu. Donc on a le boss d'Ariane qui vient nous parler. So today mission is a full success. La mission d'aujourd'hui est un, has perfectly delivered. I really est want un to succès pay, total. Tribute to all the teams who have made voilà. this success Big possible. Big up à toutes les équipes qui ont travaillé dessus, Arianespace et Ariane Group, toute la chaîne d'approvisionnement, l'ESA, le client. And Airbus Defence and Space, et Airbus Defence and Space, manufacturer. It's really the success et les fabricants. Today. With the support as well for c'est sure un succès de l'Europe. Here, on the spaceport and with the design authority of Ariane 5, it is a absolutely perfect launch tonight. C'est today. Un and, lancement it parfait. Is now the start of a journey for Juice. C'est le début d'une aventure pour Juice. Donc ouais, c'est 1,6 milliard, 18 établissements travaillés dessus, 23 pays, 83 entreprises, 116 contrats individuels, industriels, pardon, et un peu plus de 2000 collaborateurs ont travaillé pour cette mission. Ah, thank you very much, Lisa. So, welcome back to everyone. Donc ESOC, voilà, sur Darmstadt, on vient d'en parler tout à l'heure de l'ESOC, c'est là où seront reçues les données avant de partir en Espagne à l'ESAC. Donc on attend que le signal soit reçu. D'ici 3 minutes, normalement même 2 minutes, on devrait avoir confirmation de la réception du signal de Juice. We should then have the final and next key milestone, which is the deployment of Juice's enormous solar panels. So I'm going to be talking to loads of mission scientists and engineers on this mission. And if you're watching and have questions, then you can ask them. You can go on social media and go to hashtag ask. Le véhicule spatial est-il stérilisé? On demande, ça c'est une bonne question. Sinon, est-ce que Juice pourrait apporter de la vie sur Jupiter?
La réponse est que Juice n'est pas stérilisée. Donc en fait, la mission va amener des spores avec elle, des petites cellules de la Terre. J'écoute ce qu'on nous dit. J'attends la confirmation des réceptions de Bruno Souza, Portugal. We will expect to hear from the spacecraft from our ground station at New Norcia in Australia. If you see behind me, there is a plot over there on the screen. If this was a hospital and the satellite was our patient, that would be the electrocardiogram. And what we want to see there is a nice, beautiful shape, should resemble the... Donc voilà, bah là on voit derrière la réception du signal et on va voir pour nous indiquer que le, voilà, que le vaisseau est vivant. Je répondrai à la question après, du coup, de la stérilisation de Juice. Parce que là, on devrait avoir l'acquisition signal d'ici une petite minute. So much has happened already. As you can see on the bottom of your screen, we have four icons representing major milestones in the launch today. Du coup, effectivement, non, Juice n'est pas stérilisée. La lune glacée d'Europe, c'est la seule cible aujourd'hui qui est considérée comme ayant le potentiel d'abriter la vie actuellement. Donc c'est une cible qui est protégée par les traités spatiaux. Alors il y a, c'est pas spécifiquement Europe, mais en gros c'est à partir du moment où on considère qu'elle peut être habitée, bah vous avez un système de protection particulier à amener. Donc en fait on considère que Juice est suffisamment fiable et qu'il y a une assez faible probabilité d'entrer en collision avec Europe et donc une faible probabilité de contaminer potentiellement Europe avec des cellules de la Terre. En tout cas, la probabilité est inférieure aux exigences de protection planétaire qui sont dans les traités, voilà. Donc il n'y avait pas besoin de la stériliser. Ah. Explaining a bit like a mountain in the middle. Donc on devrait avoir une montagne au milieu. So this is the frequency band the ground station is listening to, so it's pointed at Juice, where Juice is supposed donc to là be, on est pointé vers là où Juice est censé être. Yeah, the communication system on et on attend the que le système de communication started, so il était, le système de communication était déjà allumé, donc il transmet des données. To come over the horizon, so to really to arrive to be seen from the ground station. So we've got, et donc voilà, elle va sortir de l'horizon de la planète pour arriver dans le cône de réception de l'antenne au sol, bien sûr. But it could be delayed up to 40 minutes. So really depends how the spacecraft is moving. If it's a little bit tumbling, it's. Donc ça dépend de comment la sonde est orientée. Ça peut prendre un peu plus de temps. Okay, right. We're just coming up to this acquisition window, so I'm going to go over to Bruno in the control room and see if we can see what's happening. Ben il se passe rien, on attend. We just have to be patient. The signal is not there yet. Le signal n'est pas encore là. Il a dit on va voir ce qui se passe. Bah, hey, tout le monde attend là. Hey, ils ont tous les yeux sur les écrans. On croise les doigts. Donc on peut avoir une 14 minutes, si j'ai bien compris, de délai, jusqu'à 14 minutes de délai. Là, ça commence à être un peu stressant quand même, puisqu'ils auraient déjà dû recevoir un signal. En tout cas, c'est le début du signal. Mais comme elle nous disait, ça dépend de l'orientation de la sonde. ODOM. OMOD. Quick brief from New Norcia. They see the downlink signal from Ariane. Ah, attends, il y a eu un brief. So it's about seconds or minutes that we will see Juice. Ah, dans quelques secondes ou minutes, on devrait voir Juice apparaître. Donc là, le stress est... Voilà, là, on est passé aux opérations de contrôle. On n'est plus à Ariane, hein, vous le voyez. Maintenant, on est en Allemagne et là, surveillance... Pour recevoir le signal, c'est un moment, je pense, hyper stressant pour les équipes qui ont bossé dessus. Et l'autre moment stressant, ça sera de s'assurer que tous les panneaux solaires soient correctement déployés, puisque sans énergie, point de salut pour Juice. Donc c'est assez important aussi, hein, c'est les deux étapes là. Après le lancement, bien sûr, hein, parce que si le lancement se passe mal, la sonde est perdue. Et donc, ouais, pour revenir à la stérilisation de la sonde, hein, si avant d'entrer en orbite autour de Jupiter, on découvre que la Lune est habitable, alors la mission sera un petit peu modifiée pour suivre les exigences de protection planétaire.
mais dans l'état actuel des connaissances, hein, les règles de protection planétaire autorisent même un impact sur Ganymède aujourd'hui. Donc avec les données qu'on a, on a le droit d'impacter Ganymède avec une sonde non stérilisée, parce qu'il n'y a rien qui indique que l'océan souterrain profond de Ganymède puisse être en contact avec la surface. Donc en fait, l'océan qui contiendrait la vie est tellement profond que eh bien, en fait, on pourrait impacter la surface sans problème. Mais on verra avec les données justement qui seront rapportées par la sonde JUICE s'il faudra changer cet état de fait. Par exemple, une chute sur Europe est totalement interdite parce qu'on considère que les océans souterrains d'Europe sont moins profonds et donc une contamination à la surface pourrait contaminer l'océan en théorie. Donc sur Europe, quand Europa Clipper va devoir se poser, il y aura des conditions extrêmement drastiques de stérilisation pour être sûr qu'on ne ramène rien de cellules ou d'organismes vivants directement sur Europe. No signal yet. Donc quand est-ce que nous aurons les premières images, on me demande. Alors je pense qu'on aura peut-être des images, il y a des deux caméras, des déploiements solaires et de l'antenne, mais c'est dans 15h, donc, enfin c'est à 15h55. Puis après il y aura 17 jours, 16-17 jours pour voilà, ressortir tous les instruments, tout vérifier et tout. Donc je pense qu'on aura sur les réseaux, notamment sur Twitter, des informations. Et puis ensuite, je ne sais pas s'ils diffuseront des photos au fur et à mesure des survols de la Terre, de la Lune, de Vénus. J'espère qu'on aura quelque chose. Ce n'est pas garanti. Et ensuite, le premier survol scientifique. La dernière manœuvre d'orientation de l'étage supérieur se poursuit de manière nominale. Le premier survol scientifique par JUICE, l'une des lunes jovienne, donc de Ganymède. Et le premier passage près de Jupiter aura lieu en février 2032. Donc en fait les premières images assez folles seront prises et diffusées à ce moment-là. Ah, on sera tous plus vieux les amis. Give me a go. Ça commence à devenir un petit peu stressant là. 6 minutes de retard. We still don't have acquisition of signal at this point. This satellite, as you might have heard already, has been separated from the launcher, from Ariane 5. As it separates, there's always a certain rotation, a tumbling donc effect. En gros, il nous explique quand effectivement, quand first prime the thrusters, that means it needs to make all the pipes open such quand that il y a eu en fait la séparation avec l'étage supérieur, ça induit en fait une rotation. At this point, it can use the thrusters for control. And then it will try to find its own orientation in space, and at that point, it will switch on the transmitter and start transmitting. So there's always a certain uncertainty about the time when we'll actually receive the signal. Voilà, on sait pas trop quand aura lieu le premier signal. Il faut qu'on soit patient et qu'on continue de regarder. OK. Thanks very much, bah écoute, Bruno. Poto, on attend en stressant avec vous là. What does this actually mean? How long do we have to kind of try and get this signal acquired? And you know, where are we? What's your feelings right now? For me, this is still nominal, yeah, yep. Still quite nominal. So this is really what we said, like 51, that the spacecraft comes over the horizon of the antenna, so could be seen from the antenna, but that doesn't mean that the spacecraft is already in a state to really transmit. Donc voilà, donc ce qu'elle nous explique, c'est que ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'on était dans en fait la zone de captation de l'antenne, mais ça ne veut pas dire que le vaisseau, lui, est prêt à transmettre. From this point on, it's still normal for our point of view. Donc pour l'instant, c'est nominal. The spacecraft itself does its own kind of trying to work itself out, and that obviously there's millions of different scenarios, I'm assuming, of how it does that. So is that why there might be this delay in terms of how it works itself out? Yeah, there's studies, some investigations have been done, how much the tumbling could be, and it could be worst case. Yeah. Yeah. Just taking this time. Okay. Well, thanks very much. Thanks very much for joining us. It's really tense now. It's super tense. So if you've just joined us and you are following the JUICE spacecraft after its separation from Ariane 5, we're hoping to actually talk to the spacecraft soon.
It's starting its billion kilometer journey to Jupiter. Many billion UTED. Kilometer journey to Jupiter. Merci à tous les nouveaux abonnés. On est 55 063 maintenant. Merci à vous. Un compteur qui va s'affoler, je pense, lundi avec Starship. Scientists and engineers. If you want to ask questions of my many guests that are coming up, you can use the hashtag AskESA, and I'll try and get them answered as soon as I can. But in the meantime, I'm going to switch you back over to Bruno. To me. For the who's who. Il s'est débarrassé de la patate chose. Allez, Bruno! Voilà, là, les visages sont fermés, les gars, hein, parce que là, je pense que c'est 2 milliards et 8 ans de boulot qui peuvent partir en sucette si jamais. Je rigole, mais ça a rien nerveux. Hein. Si jamais on n'a pas de signal et que ça se passe mal. Donc là, je pense que de voir le pic, ça va les libérer. Hein. Right next to them are the ground operations managers, and they are taking care of all the facilities, all the ground stations, making sure that we are connected to the ground station. Configuring the ground station to listen in on the satellite, so they will be responsible for finding the satellite in the sky shortly. Now we move over here to the flight control team. And in the flight control team, they're responsible for operating the satellite, so they will take over control once we see it in the sky. Different functions are present here. On the front row, platform is responsible for our radio communication system and for our thermal system. Rudy is on shift at the moment. Right next to him, Arthur is taking care of the data handling. Oh, bon, lui, il a le sourire, lui. Tranquille. And all the routing of data to the ground is taken care of. Capacité à garder le sourire sous un stress comme ça, c'est pas mal. Expert, in this case, Julio today, he's taking care of monitoring the separation sequence and what's happening on board. He's also a system engineer and leading all these people. At the moment is my dear friend and colleague for many years, Ignacio Tanco, who I may add is probably one of the best spacecraft operations managers in the world right now. At least probablement un des meilleurs opérateurs de vaisseau spatial dans le monde actuellement. And over here on the ça va, quand ton collègue il te balance ça, c'est pas mal. Bon, montrez-nous l'écran là. He's also on this side of the ocean. Le boss. Responsable du vol. All the teams that are now working towards a successful mission for JUICE. And next to him, we have project support, the project representative. They have been working on the development of JUICE for many years. And they have been managing the program, and now they are finally seeing the c'est eux qui ont participé au projet, donc les représentants du projet. Donc eux, ils ont passé des années dessus, et je peux te dire que là, ça va être quand même très stressant. Hein. T'as envie de voir cette barre s'afficher sur la courbe de communication. Always absolutely amazing to have Bruno's expertise on the floor and just all those amazing people. What an absolutely awesome team they are. So if you've just joined us, ça représente combien d'années à bosser sur JUICE? Je dirais pour des années, ça dépend, je pense, des jobs. Ça dépend des jobs, quoi. Mais ouais, c'est 2000 personnes qui ont travaillé dessus, en tout cas. Il y a 116 contrats industriels, comme je disais, 23 pays ont bossé dessus, ça représente 83 entreprises. 1,6 milliard de dollars, hein. D'euros, pardon. J'ai trop l'habitude de parler en dollars. Donc, il y en a qui doivent travailler depuis 8-10 ans sur ce projet-là, quoi. On est à l'antenne. Ça, c'est pas de l'antenne, hein. Là, c'est de l'antenne de qualité, je vous le dis. Donc l'antenne, elle est là, elle attend, elle est là, tranquille. Regardez-moi cet engin des enfers. Elle est énorme, cette antenne. Yes, so this is Eunorcia 1. This is our 35 meter main antenna here at Eunorcia, and we're currently having a go at acquiring. Manager de la station de Eunorcia de l'ESA. As you can see, we're up a little ways away from the horizon already, so the spacecraft is up in the sky here. Conditions here are really good, really nominal, and we're waiting. Donc les conditions sont bonnes, tout est nominal, et ils attendent le contact de la sonde.
Does that track it straight away, or is there another dish that sort of can move faster and get a track, a hold of the spacecraft before this massive, enormous dish does? Yeah, so for these early acquisitions of spacecraft. Merci Julien Gravelotte, CapG, BTM03, Co, YouTube, Jean-Christophe Dupont qui nous ont rejoint sur Twitter. It has a very, very, very narrow beam, so it's only able to spot. Kevin Willard fait Aoud Messaouf également. Salut, bienvenue sur Twitter, les amis. We use a smaller antenna, which is up behind me on the hill, called New Norcia 2. And that's a 4.5 meter antenna, and it has a beam width that's close to 10 times as big. So it's about half a degree. So if JUICE is up there and it's transmitting to us, we'll see it. So as soon as JUICE gets its act together and gets its attitude stabilized and starts talking to us, we'll... Donc, a priori, 30 minutes, on pourra recevoir, on pourra commencer à se dire que c'est la cata 30 minutes après le début de l'horaire prévu qui était à 50, je le rappelle. Ça fait déjà 14 minutes, on est quasiment à la moitié. Ah ! Il y a des applaudissements. Ouais, j'entendais des applaudissements là. So we'll track up into the sky up to about 50 degrees, and then while we're doing that, JUICE is moving away from the planet, and the planet's rotating underneath JUICE. So it'll actually come up. Laissez tomber l'interview là. Montrez-nous s'il y a eu un signal ou pas. Satellite that's in Earth's orbit would do. It'll actually go up and down as the spacecraft moves away and as the Earth rotates underneath. So we'll see in, if you're still watching in 7 hours, which I'm sure you won't, we'll see the antenna set again, pretty much back where we came from. Susie, I've got some great news for you. We have acquisition of signal. So I'm going to go over to Bruno in the main control room. This is super ace news. Wow. What can I say? These are the ça y est, acquisition du signal. Bon, hein, c'est bon, on peut applaudir. Nous aussi, on peut applaudir. C'est bon, ils ont récupéré. It's flowing into our systems. Everybody's super excited, super happy. Well, it's a lot of work from now onwards, and we have to keep on going. So, donc il reste pas mal de boulot quand même. How we're doing. First of all, we've reached the fantastic milestone. The spacecraft is alive. Donc on voit ici là, une petite souris, on le voit ici là, le petit signal. Donc la télémétrie est nominale. Maintenant ils vont vérifier que tout est bon, que la sonde est en bonne santé après ce lancement. I think it's actually made it Ah, bah ça fait plaisir. Now don't forget you can get involved at home and ask questions, and we are on a roller coaster, so we've just hit our first of our milestones. We've got one more really big one coming up, so if you fancy joining in asking questions, then please do send in your in your facts. So I'm going to be joined in a second after I show you a video about how exciting this whole journey has been for mankind, getting here to send a spacecraft off to Jupiter. And so we're going to play you a little video now, and I'm going to take you back in time. We're going to go back, far back in time. Oh là là, pas de musique là. En plus, ça c'est une musique... Vous croyez qu'elle est libre de droit, celle-là? C'est vieux, ça, quand même. Asvalki, je me demande le temps de transfert des données de Jupiter à la Terre. 45 minutes, Asvalki. Newest guest, I'm joined by Anna-Zina Solomonidou, the senior scientist at the Hellenic Space Center, who's been working on JUICE. Welcome to the show. Thank you. We just saw a video that went back to the moment where Galileo saw Jupiter. With his own eyeballs. I mean, this Donc on voit la première fois que Galilée a vu Jupiter pour la première fois. Well, Jupiter has countless fascinating facts. Donc Jupiter a plein de d'aspects fascinants sur Jupiter. It's really massive.
Elle est très massive. Elle est presque une étoile, mais elle n'a jamais été assez grande pour devenir une étoile. And in fact, it's actually 2.5 times more massive than any other planet of our solar system combined. Elle est 2,5 fois plus massive que toutes les planètes du système solaire combinées. Storms like the red giant spot. Donc il y a plein de tempêtes permanentes comme la grande tache rouge. And it also it's covered also with clouds that they go. Recouverte de nuages. 50 kilometers thick. So you can imagine about the the size, right, and what we're talking about. Qui fait 50 kilomètres des nuages qui font 50 kilomètres d'épaisseur. Jupiter's rings compared to what we know about Saturn, for instance, but they are there. It's just they're a little bit fainter, yeah. Jupiter qui a aussi des anneaux comme Saturne, mais qui sont beaucoup plus fins, donc on ne voit pas trop, quoi. And of course, it has the most moons than any other planet of our solar system. Elle a plus de lunes que n'importe quelle. 95, aujourd'hui on a découvert 95 lunes autour de Jupiter jusqu'à maintenant. Donc certaines lunes sont tellement importantes que suffisamment importantes pour qu'on envoie une mission aujourd'hui vers elles. Et avec l'image qu'on voit là, est-ce que vous pensez que c'est ce qu'a vu Galilée? Sans doute quelque chose de plus flou que ça. Mais en tout cas, Galilée a vu quelque chose et ça, c'est important. Did he actually see the moons when he first saw it? Did he have to sort of adapt his optics and get better and better actually being a telescope maker? Exactly. Yeah. So while Jupiter was known since the ancient times, Jupiter est connu depuis des temps anciens. Mais Galilée a fait une observation détaillée de la planète. Small telescope, he was able to observe. Donc il a amélioré son télescope pour voir plus distinctement certains des objets. The Galilean satellites. So we're talking about Io, pour observer les. Il a vu aussi qu'il y avait des lunes autour de Jupiter. Ganymède, pardon. So Galileo improved his small telescope, his main instrument, and he was able to see something that wasn't seen before. Donc Galilée a été capable d'améliorer son télescope pour voir des choses que personne n'avait vu jusque-là. To improve what we've seen before with previous Donc avec la mission JUICE, eh bien avec tous les instruments, on va pouvoir améliorer nos informations qu'on a récupérées des missions précédentes. And push further the capabilities of previous missions and previous observations. So yeah, these Galilean moons, as you said, is so synonymous with Jupiter. The actual mission itself has actually got a tribute to the man himself, Galileo. So can you tell us just a little bit about that tribute? Yeah, there's a plaque that is mounted on the spacecraft. Mm-hmm. Donc sur JUICE, il y a une plaque qui est montée dessus en l'honneur de Galilée. I think we have a little bit of a screen here of it. Yeah, exactly. So you see it mounted on the spacecraft. And it replicates a few images from Galileo's book. Donc ça, qui reproduisent en fait des images du livre de Galilée. So I think it's very emotional and it's a very nice touch. Donc c'est émotionnel et puis c'est un petit clin d'œil sympathique d'amener quelque chose de la Terre. Sur JUICE et puis l'amener à côté de Jupiter, quelque chose qu'on a observé depuis tellement d'années. Find social media and just use the hashtag Ask ESA. We're actually in Darmstadt in Germany, which is where they fly and look after all these amazing spacecraft that the European Space Agency build. And I'm here with scientists, engineers and spacecraft specialists. It's a real special moment to talk to these people on what is one of Europe's biggest missions ever, this journey to JUICE. Merci une fois lundi pour le grand moment. I'm gonna hand over to Bruno because he has some news for us. Bruno a des nouvelles pour nous. More good news. The spacecraft is in a hurry. We acquired a signal and we just realized that the spacecraft is going quite fast through the configuration into the automatic sequence that is leading us towards the solar array deployment. So in fact, the last pyrotechnics that will release the solar rays will fire in about 15 minutes
Donc on va être en avance pour l'ouverture des panneaux solaires puisque la sonde se met en route plus vite que prévu. Donc le moment... Ok, le moment où il y aura le système pyrotechnique qui va libérer les panneaux solaires devrait arriver seulement dans 15 minutes maintenant. Donc on devrait d'ici 15 minutes commencer le déploiement des panneaux solaires un peu en avance sur le planning. Pas si en avance que ça, on verra quand est-ce qu'ils termineront puisque le déploiement des panneaux solaires était prévu à 15h54. Donc d'ici 15 minutes, ça sera 15h30, le temps qui s'ouvre. On verra. Mais on devrait avoir des informations assez rapidement. Et ce sera donc la fin, on va dire, de cette période de lancement, puisqu'après, il faudra à peu près 17 jours pour déployer toutes les antennes et les sondes, etc., et vérifier que tout va bien. We're going to spend some time there, so we will have the opportunity to look closely and overlap, you know, go back to the previous, to places that we visited before and see how do they change with time. We want to see also, we want to examine, explore a typical gas giant like Jupiter. Merci, Monsieur Marchand, pour tes 5 euros de qualité. Merci pour ton don. Complex environment formed and shaped all these moons. So we have pretty good reasons to go back. And specifically, if we think about the moons, we're going to look very closely at Ganymede. And Ganymede is the largest satellite of our solar system. It has its own magnetic field that doesn't happen with other satellites, super right? Super interesting, yeah. And it's a very good example of a liquid environment. Let's not forget that the most interesting fact about this moons is that they're ocean worlds. And what does that mean? Is that they hide a liquid ocean underneath their icy surface. So Ganymede is a very good example of a liquid environment trapped in between icy layers. Then we go into Europa, and Europa is 4.5 billion years old, but the surface is only 20 to 180 million years old. So it's very, very young. And it also, we suspect that the water there is in Europa is double the water we have here on Earth. So it's the best candidate. If you want to find life out of Earth, Europa is a very good candidate. Voilà, nous rappelle que si on veut trouver de la vie en dehors de la Terre, Europe est vraiment une bonne candidate pour ça. Thanks so much for joining us. I mean, the whole purpose of going to Jupiter is just blowing my mind, but thank you so much. So we've just got to the hour mark after launch, so I think it's about time we went back to Bruno and got more of an update. What's happening in the control room, Bruno? Bruno revient. Hi Matt. It's all going according to plan. The pyros are firing in sequence. Every time one fires, we wait another 2 minutes. The next one fires. We will get an information as soon as we reach the last ones. And then we will know that we are just a few minutes away from full array deployment. So we just have to hang on a few minutes more. Donc il y aura plusieurs étapes de déploiement. Voilà, toutes ces 2 minutes, il y aura un allumage. Et voilà, on va nous dire à chaque fois si ça se passe bien ou pas. Donc encore un moment, je vous dis, c'est le dernier moment un peu critique là. Alors après, il y a le déploiement des instruments, vérifier qu'ils marchent bien, mais sans énergie, pas de salut pour Juice. Donc il faut absolument que les panneaux solaires se déploient correctement. Sinon, c'est une fin de mission, même si tout s'est bien passé avant. I'm delighted that I'm joined by Frederick Fay from Airbus, who are the main contractor that actually. Spitwan demande ce que l'ouverture des panneaux solaires sera en live ou en animation. Je pense en animation, mais normalement il y a des caméras qui peuvent observer le déploiement des panneaux solaires, donc j'aimerais bien qu'ils nous mettent les images. Ça dépendra de est-ce que la sonde transmet les images directement ou pas. Il nous rappelle le timeline de ce qui va se passer. How the actual journey works and yes, so in fact, the mission was defined to maximize the mass of science instruments to be brought to Jupiter. Donc la mission a été designée pour maximiser en fait le nombre, le poids des instruments scientifiques qu'on peut emmener jusqu'à Jupiter. And what has been designed by ESOC mission analysis team and then tuned by flight dynamics team is multiple flyby. Donc voilà, plusieurs survols pour bénéficier de l'assistance gravitationnelle, c'est ce qui a été décidé par les équipes pour minimiser le nombre d'ergols embarqués et maximiser le nombre d'instruments scientifiques qu'on peut amener. In fact, send it toward Venus 1 year after, then accelerate again
accelerate again around the Earth, a third acceleration around the Earth, and then 2.5. Donc en fait, il y a Lunar Earth Flyby. Lunar Earth Flyby, c'est la première fois qu'une sonde fera ça. Et ensuite, Vénus, ensuite Earth 1, Earth 2, mais 1 et 2, en fait, ce sera le troisième en fait, survol de la Terre, puisque le Lunar Earth Flyby sera aussi un survol de la Terre. Et ensuite, l'arrivée à Jupiter en juillet 2031. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2029 tout à l'heure. Is Earth, Venus, Earth, and then Jupiter. With some peculiarity on the first one, to have an even more effective kick at the beginning of the mission, mission analyst guy have found a possibility to use lunar and Earth in a one-day separation. So first you are at 700 kilometers just around the moon, and then you are one day after around the Earth, and you have a double acceleration that improves. Donc voilà, il nous parle de le lunar Earth flyby. On aura une double accélération lune-terre. Full tour with three moon explored. So Callisto. Donc ensuite juillet 2031, novembre 2034, voilà, 35 survols des lunes Callisto Europe. And progressively to go toward Ganymede, that will enable us to et ensuite on ira, on ira descendre tranquillement notre orbite pour aller orbiter Ganymède. Merci Philippe, Philippe Filtil pour tes 5 euros de qualité. Merci à toi mon ami pour ton don et ton soutien. And the other interesting thing is we're going in completely the wrong direction. I don't know if you know this, but Venus seems to be right towards the sun. Yeah, Venus is closer to the sun than Jupiter, but Venus is has a mass similar to the Earth, so it's very effective in terms of planetary gravity assist. It's more effective than Mars, that is in between Earth and Jupiter, but combining all those planets at the end allows a good trip. Yeah, I mean, it's interesting, isn't it, that even in 6 years' time, she's still going to be flying around the Earth. Yeah. And it's, it's incredible, isn't it? So on this journey, we've got really extreme temperatures, haven't we? We've got, like, I'm assuming by Venus, it gets incredibly hot, and out by Jupiter, there's no sunlight. This is one of the difficulties of the mission to benefit from this Venus flyby. It means also that we have to face solar flux will be very high, about two times the flux received on Earth, so about 3 kilowatts per square meter. We go even closer to the sun than Venus, so... And at Jupiter, we are at a very low sun illumination. Donc, ce qui nous explique, c'est qu'on aura énormément d'illumination solaire puisqu'on va s'approcher plus proche du Soleil que Vénus l'est du Soleil. Et ensuite, quand on arrive vers Jupiter, on a très très peu d'illumination, à 25 fois moins que ce qu'on a sur Terre. The spacecraft will be at plus 250 degrees C, which is, so we need some specific material. And when we are at Jupiter, in particular at the end of Jupiter eclipse, which can last up to 5 hours. Then the temperature of the coldest part of the spacecraft, which is the solar array, dropped down to minus 230 degrees C. So you have to design a donc en fait, voilà, il faut designer un environnement spatial qui est capable de supporter, quand sera à l'ombre de Jupiter, moins 230 degrés, et qui va devoir supporter plus de 250 degrés. The body of the spacecraft, it's first isolating the spacecraft from the sun, so it's by multi-layer covers. Donc il y a plusieurs couches, which protect the spacecraft. Il y a 25 couches d'isolant pour protéger le vaisseau spatial. The antenna towards the sun, which is used at the first heat shield. And we communicate with the Earth with another antenna that will be deployed in a couple of hours, the medium gain antenna that is 60 centimeter diameter. For the solar array, to avoid that the solar array are too hot, we tilt them to minimize the surface presented to the sun. And this tilt is maintained when we are in between the Earth and the sun. And then at Jupiter, we have to benefit from also from the multi-layer insulation that enable to maintain the electronic inside the spacecraft within, let's say, a comfortable environment with minimum of heater power that is also provided by electrical heaters. I've got some questions coming in from social media that I'll ask you in a second. I've just got one question that the radiation that we're getting at Jupiter. Radiation du haut niveau de radiation autour de Jupiter.
What are the different sources of radiation? Quelles sont les sources de la radiation autour de Jupiter? Yes, radiation of Jupiter. Jupiter is a big system, in fact, and Jupiter, Jupiter is very c'est un massive. Grand système. Jupiter est très massif. And it creates some tidal effect on the closest moon orbiting around Jupiter, which is Io. And Io is not an icy moon; it's a volcanic moon. Okay, Io, this volcanism is created by Jupiter gravity. And as donc, ce magnétisme est créé par la gravité de Jupiter. Io material, basically sulfur dioxide, that is then catched by the magnetic field of Jupiter. Magnetic field of Jupiter is huge, so ejections are done at several hundred of kilometers above the surface of Io, captured by the magnetic field, which is rotating fastest than the moon itself in its orbit, and then it is ionized and transformed into. On explique qu'il y a des éjections de matière d'Io qui est captée par les par comment much more than what we can face on the qui est captée par le champ magnétique de Jupiter, et ensuite c'est ionisé, ce qui crée de la radiation. Someone's asked a question out on the hashtag Ask ESA. Il y a Vitor Souza parmi nous, peut-être c'est le cousin de Bruno Souza. Will this be the heaviest interplanetary spacecraft ever launched? Est-ce que je vais laisser tourner mon live pendant 8 ans? Non, just. Going even faster. Voyager, I think it goes faster. No, heaviest. Fastest. Heaviest, 6 tonnes for interplanetary, yes, it is heaviest. And the 6 tonnes are made of 2.2 tonnes of dry mass. And more than 6 tonnes pour une sonde interplanetaire, oui, c'est la plus lourde lancée. 220 kilos of instrument. So for 220 kilos of real science instrument, you need 6 tonnes for this mission. Pour 2000 et quelques kilos d'instruments scientifiques, il faut 6 tonnes Very specific maneuver. We need to insert the spacecraft around Jupiter, so it costs about one third of the fuel. Donc il va falloir un tiers du carburant utilisé pour se mettre en orbite de Jupiter. So it's another significant portion of the fuel. Donc en plus il y a une autre portion significative du des ergols qui seront utilisés pour se mettre en orbite de Ganymède. Et donc le reste, ça servira pour des manœuvres d'insertion. It's an amazing spacecraft. Apparently, we're going to go over to Susie over in New Norcia. Is that not right? G'day, Matt. Ah, hello, Susie. On retrouve Suzy. Got you back. Hello. Hello. So Suzy. Hello, Matt. How are you? Very well, thank you. So Suzy, how do we communicate with a spacecraft that's that far away? Comment est-ce qu'on communique avec le vaisseau spatial aussi loin? Ah, well, the trick is you use a really big antenna like we have here. Here's one I prepared earlier. So the whole idea is the spacecraft can only carry a small antenna, so it can only have a fairly small amount of gain and a fairly small amount of power because it all has to be driven by the solar panels. Whereas here on Earth, we can have as big an antenna as we like, and we can use petite antenne, puisqu'il va falloir l'alimenter avec des panneaux solaires, alors que sur Terre, il faut avoir des grosses antennes. Very, very sophisticated cryogenic receivers and a large antenna. And donc when we're des récepteurs cryogéniques. So we just put up to 20 kilowatts of radio power straight out through the antenna towards the spacecraft, and it all works. So can you give us some idea about, you know, the different sort of levels of power that you're trying to receive? Je peux nous expliquer un peu des différents niveaux de pouvoir que vous essayez de recevoir. Yeah, so an analogy is if you're standing on une the analogie, surface of Mars, c'est si vous regardez avec votre téléphone mobile, si on assume que votre téléphone utilise la fréquence pour recevoir l'antenne, we have some of the most sensitive receivers on the face. On recevrait ce signal. Oh, so how long does it take a command? To actually reach c'est pas mal déjà. Ils peuvent recevoir le téléphone. Ils peuvent recevoir le signal de votre iPhone depuis Mars. You're actually able to talk to the spacecraft as well, and then hear back from the spacecraft. How long does that whole process take, and what are the challenges there? That's
Yeah, so one of the big problems here is that the spacecraft is so far away, so it can take Jupiter, in fact, is anywhere from around 40-50 minutes away. Il faudrait entre 40 et 45 minutes. So of course the commands travel out to Jupiter at the speed of light, so they'll get there in 40 or 50 minutes. A response from the spacecraft. Donc si on envoie une commande, elle met 45 minutes et la réponse met 45 minutes aussi. An hour and a half. Donc il faut une heure et demie pour recevoir et communiquer avec la sonde. I've heard about deep space tracking actually from one of my colleagues at ESA is that it's sometimes like watching grass grow because it's slow and methodical. And you take your time talking. Donc, notre travail, c'est comme regarder de l'herbe pousser. Yeah, can you describe the process of sending commands? Is it different to receiving commands? Is there any similarities and differences? What are the main? Est-ce qu'il y a des différences entre envoyer un signal et recevoir un signal? So the main difference, of course, is when we're receiving very small signals. Donc la première différence, c'est que quand on we use the same hardware, we use all the same. C'est quand on veut recevoir, on reçoit des signaux très petits. Much the same electronics, but of course, instead of having a very sensitive receiver, we have an extremely large, powerful. Et quand on envoie, c'est l'inverse, on a un petit récepteur au bout, mais là on a un extrêmement grand émetteur. Because we use hundreds of kilowatts of power to actually generate the signal that the spacecraft needs. So Susie, I've got some more exciting news from Bruno. We're going straight to Bruno in the main control room. So Bruno, give us your update now, please. So we've just reached the second most critical milestone in this LEOP, which is the deployment of the solar arrays. Donc c'est parti pour le déploiement des panneaux solaires. Ago, the last pyros that are cutting the knives that of the cables that hold the solar arrays have been fired. Donc le dernier système un petit peu explosif qui sert à découpler les panneaux solaires ont été utilisés. The panel on the left side has just started to deploy. On the left side to that scheme. Donc les panneaux sur le côté gauche sont en train d'être déployés. The red line indicates that we were consuming power from the batteries. That means we were negative. It was below the scale. And the now the blue line shows that the satellite has started to produce its own electricity. Donc en bleu, on a la production électrique. On voit qu'on était à zéro. En rouge, on a la consommation de batterie. Donc on voit qu'on était en dessous de la ligne médiane, c'est-à-dire qu'on consommait, on était en négatif. Et avec l'ouverture des panneaux solaires, on voit que maintenant la ligne bleue est au-dessus, on est en train de produire de l'électricité et la batterie du coup est remontée également parce qu'il y a toujours de la consommation directement depuis la batterie puisque l'énergie est stockée dans la batterie et on voit du coup qu'on est en positif maintenant, on produit plus que ce qu'on consomme. Ever flown an interplanetary mission. Donc c'est les plus grands panneaux solaires qui ont jamais volé sur une mission interplanétaire. 85 mètres carrés de panneaux solaires. They're able to produce a lot of power, but once we get to Jupiter, it will only produce a few hundred watts. Sauf que quand on va arriver vers Jupiter, eh bien on va produire moins d'énergie puisqu'on recevra 25 fois moins de photons. If it all works out, if the two panels successfully completely deploy, we will have a mission ready to fly. Et donc, si les deux panneaux solaires se déploient, on aura une mission prête à voler vers Jupiter. Et ensuite, il y aura la phase de commissionnement qui devrait durer 17 jours pour s'assurer que tous les instruments sont pleinement fonctionnels. But I keep hearing my colleagues saying that the switches keep registering the panels unfolding. Donc pour l'instant, les capteurs captent toujours le déploiement des panneaux solaires. Take a few more minutes. I think we're almost ready. The wing on the right side also started to deploy nominally. C'est le côté droit est aussi en train de se déployer de manière nominale. On voit d'ailleurs une augmentation dans la production au fur et à mesure. Et on a quelques minutes du déploiement final des panneaux solaires. Reach the limit that of power that the spacecraft is able to consume, and it will not produce more than that. It automatically regulates itself only to produce as much as the satellite needs. Although at this distance from the sun, it is able to produce a lot more. Donc après le panneau solaire qui se, enfin, il y a une régulation qui est faite pour ne pas produire plus que ce dont
ce dont on a besoin, ce dont on peut stocker. Et à cette distance du Soleil, on produit beaucoup, puisque on est prévu pour voler, finalement, faire une mission autour de Jupiter. To keep everything up and running. Now it's moving on to the solar arrays, it's producing its own energy and it's able to refill the batteries. Donc on devrait avoir une rechargement de la batterie et de passer minus Y, that's the side, the right side of the spacecraft, minus Y wing has just also completely deployed at micro switch level. So this is a good sign. Ok, les deux panneaux solaires sont officiellement déployés. On est go pour Jupiter, les amis. Bravo, bravo les amis, bravo Ariane, bravo l'ESA pour ce succès. L'Europe a une mission en direction de Jupiter. The satellite is fully functioning. After a little scare, coming late to talk to us, the satellite is finally there. And il nous rappelle après une petite frayeur sur le satellite qui communique pas avec nous. Congratulations to everybody involved. Bravo à tout le monde. Congratulations to the rocket, bravo to the teams, à la team qui va faire la fusée, ceux qui sont sur le sol, à l'ISOC qui va pas trop prendre le contrôle. You, there is not much to say. We have a fantastic mission on. Et voilà, on a une super mission sur le chemin. Been to share this moment with you. Et c'était un plaisir de partager ces moments avec vous, nous dit-il. The early tense has made this all the more all the better. I mean, I've got a little party going on in my room, so. So I want to remind, I mean, it's just how brilliant is this? I want to remind our watchers that they can also participate in this amazing day. Simply use the hashtag AskESA on social media and we'll try and get your questions answered. We have one actually coming in from Twitter, which is, how is Juice able to explore Jupiter's moons in depth while it remains in orbit? It's a great question and it's really good timing because we've got Rosario Laurenti, who is a real scientist working in the JUICE Science Operations Center. Donc la question qui a été posée, c'est comment est-ce que JUICE fait pour observer les... ils vont nous montrer l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Comment fait JUICE pour observer en fait en profondeur des lunes alors qu'elles vont rester en orbite? Bon, ça, on en a parlé, ça pose des... Enfin, grâce, pardon, aux instruments qui sont embarqués. This is just the starting point, but we have to be prepared and to prepare the instruments to be sure that. Chicha demande c'est à quelle heure live pour rendez-vous dans 8 ans. Bah il faut activer la clochette de notification pour être au courant. What we will be doing is to prepare all the scientific operations we will be running when touring around Jupiter. Why is this so important? We know already that these operations will be really, really intense. And we know that we have to do the best of every opportunity we will have to look at Jupiter, to look at. Donc on va devoir profiter de toutes les opportunités pour observer Jupiter. Every character in this super scenario. And we know that we are flying one of the most et on sait qu'on est en train de faire voler l'un des payloads des charges utiles les plus importantes. And, for us, it's like organizing a super orchestra. Donc pour nous, c'est comme organiser un super orchestre avec une symphonie avec les meilleurs instruments et les meilleurs joueurs. This is impossible without a rehearsal, without a script. Et ça, c'est impossible sans entraînement. I'm actually being told that there's an announcement, so I'm just going to pause you just for a second before we get on to the answer for the next Twitter one. And there's an announcement from Kourou, so we're going to go over to Kourou now. So, Lisa, et alors, une annonce depuis Kourou. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer à Kourou? Matt, and yes, we are here, and I'm here with ESA DG. Donc, je suis avec le directeur général de l'ESA, Joseph. Je me sens délivré, libéré. Ils ont toujours un problème avec leur micro, là. Donc ça ramène à la décision des partenaires de l'ESA de choisir cette mission. Et peut-être qu'on verra qu'une lune peut être habitable.
et une mission qui peut mesurer les paramètres d'habitabilité de la Lune. Donc, toutes les industries, les compagnies, les institutions qui ont contribué à toute cette mission. Donc, je suis qui veut remercier tout le monde du fond de son cœur. Let me also add a word of thank you to our international partners. NASA is a very strong partner of NASA et voilà, many corporations, and this is one of them. NASA de l'Europe has provided one instrument in particular, but also our partners qui a aussi fourni un des instruments en particulier. Aussi la JAXA, on en a parlé tout à l'heure, qui a fourni un. Donc c'était un international partnership. C'est un international. C'est un moment de fierté pour l'Europe. Et au nom de toutes les équipes, voilà, je veux remercier tout le monde qui a participé à cette mission. Wonderful warm feeling here inside Jupiter. And well, thank you very much, Joseph. And merci, Joseph. I hope that the rest of the mission goes as well as the. Yes, we all hope, of course. I mean, there are still steps to undertake. We have encore des étapes à parcourir. I think we have good reasons because we had de faire la fête puisqu'on a acquéri le signal. On va rappeler à tout le monde qu'il y a encore beaucoup de travail et on doit aussi s'assurer que tous les instruments fonctionnent comme attendu. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais les étapes les plus critiques, la séparation, lancement, la séparation, l'acquisition du signal. Grosse étape que tu as franchie en direction de Jupiter. Well, that is it from us here in Jupiter in Kourou. Raphaël and me are going to say a huge thank you to all the teams here. You don't see them, but Raphaël Chevrier, on a eu un interview sur la chaîne, je vous préviens. Allez regarder l'interview de Raphaël Chevrier. Thanks to everyone, thanks for watching, and Raphaël. Yeah, well, congratulations to my wonderful colleagues and all the teams involved in this mission. What an incredible mission. C'était une mission incroyable. Going to hand back to ISOC. Et on retourne à l'ISOC en Allemagne. Maybe later on we're going to hand back to them for now over in Darmstadt. Thanks for everything. Thanks very much, Lisa. Yeah, what? How amazing. Congratulations to all those. Et voilà, c'était amazing. Bon, ben, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est bon, la mission, là, elle est partie pour partir vers l'infini et au-delà. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie, ce petit moment de 2h10 quand même que vous avez appris, que vous avez appris plein de choses. Et donc, nous, on va se retrouver très bientôt, puisqu'on va se retrouver lundi 17, les amis, pour l'événement de l'année. Voilà, je ne cache pas mon impatience. Le lancement du Starship, la fusée la plus puissante du monde par SpaceX. C'est cette fusée qui va déposer, enfin, Thomas Pesquet devrait aller sur la Lune. Hein. On sait que c'est pas encore acté, mais on va dire que Thomas Pesquet va aller sur la Lune dans le Starship, puisque c'est l'atterrisseur lunaire du programme Artemis. Et c'est probablement la première fusée qui amènera des êtres humains sur Mars, même si certains... ça leur fait mal au cœur d'entendre parler qu'on va aller sur Mars, vous comprenez. Nous, en tout cas, on va tout faire pour y aller et il y a des gens qui vont tout faire pour y aller. Et en tout cas, ça va être assez incroyable, les amis, puisque ça va être le premier lancement de Starship. Ça va être fou. Lancement prévu entre 14h et 17h UTC+2 heure de Paris. On prendra le live à 12h30 parce qu'il va falloir que je rentre du travail rapidement pour venir faire ce live là qu'on ne peut tout simplement pas louper. On verra. Pour l'instant, la FAA, je le précise quand même, Federal Aviation Administration, n'a pas donné le go de lancement à SpaceX. Ça peut encore arriver avant la fin de la journée. On verra en tout cas SpaceX qui a prévu le lancement entre le 17 et le 22. Voilà, donc la semaine prochaine, on devrait voir le lancement si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, ça va être un moment assez fantastique, je pense. Donc, soyez là, les amis. Et moi, je vous dis donc à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Tchuss!